toujours rêvé de faire ça. Bonjour à toutes et tous. Je suis Amandine Berton-Schmidt, je suis la directrice du Centre Hubertine Auclair. Et je suis très heureuse de vous accueillir à cet événement sur le télétravail. Télétravail, levier d'égalité aux doubles peines. Comme vous le savez très certainement, le Centre Hubertine Auclair, c'est le Centre francilien pour l'égalité femmes-hommes. C'est un organisme associé du Conseil régional d'Île-de-France. Le centre a pour mission d'accompagner toute personne ou toute structure qui a un projet en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour cela, nous développons une expertise sous différentes formes. Nous produisons des études, comme celles que nous allons vous présenter aujourd'hui, des études, mais aussi des guides pratiques. Nous concevons et animons des formations en direction des professionnels de tous horizons. Je vous invite d'ailleurs à consulter le programme des formations du centre directement sur notre site internet. Et enfin, nous réalisons des campagnes de sensibilisation à l'attention des lycéennes et des lycéens franciliennes et franciliens. Et nous diffusons des outils à l'attention des professionnels. Produire de la connaissance est une étape fondamentale lorsqu'on travaille sur l'égalité femmes-hommes. Et nos intervenantes de cet après-midi auront l'occasion de faire état du manque de données quand il s'agit de regarder le télétravail au prisme du genre. Cette étude a été commandée l'année dernière par la présidente du Conseil régional et vient donc combler un vide certain dans les réflexions menées en matière de lutte contre les inégalités professionnelles. Je remercie chaleureusement les partenaires du Centre Hubertine Auclair qui nous ont permis de mener à bien cette étude, Anastasia Tsimène et Claire Linsky de Chronos, Sabine Le Goff d'Astré et Karim Babul de l'ANACT. Merci bien sûr à François Grolier et Maxime Gosset au sein de l'équipe du Centre qui ont coordonné cet important travail. J'excuse d'ailleurs Maxime Gosset qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui est souffrant. Il me semble important de donner quelques éléments de contexte applicables à l'ensemble de nos échanges de cet après-midi. Il faut en effet souligner que la crise sanitaire constitue incontestablement un jalon important pour appréhender les impacts du télétravail sur l'égalité femmes-hommes. D'une part, avec le passage massif en télétravail dès mars 2020, et parce que la crise a généré également de nombreuses publications sur cette question, qui étaient jusqu'alors assez peu documentées. Mais notre étude et les échanges de cet après-midi entendent examiner cette question du télétravail au-delà de cette période très spécifique, car ce que démontre l'analyse, c'est évidemment, et ça ne vous étonnera pas, la permanence des mécanismes générant ces inégalités qui relèvent davantage de phénomènes structurels plutôt que de facteurs très ponctuels. Nous essayerons donc, au cours de cet après-midi, de ne pas nous focaliser seulement sur le télétravail de crise, mais sur un télétravail plus généralisé et plus classique, aussi parce qu'il y a eu des effets d'apprentissage depuis. Hein, l'étude s'est terminée en décembre 2021, et on voit bien qu'on ne cesse d'apprendre sur des pratiques qui se généralisent autour de nous. Je vais prendre aussi une deuxième précaution oratoire. Les femmes ont été surreprésentées dans les professions non télétravaillables durant cette crise sanitaire et ont été de ce fait surexposées au virus du Covid-19. Nos réflexions nous ont toutefois amenés à penser non plus seulement en termes de métiers télétravaillables, mais plutôt en termes de tâches télétravaillables au sein des différents métiers. Ce qui permet d'ouvrir plus finement la question de l'accès au télétravail pour chacune et chacun, notamment pour des métiers a priori non télétravaillables. Nous espérons en tout cas que nos échanges de cet après-midi et le rapport vous permettront d'avancer dans cette réflexion particulière. Ces deux aspects se veulent donc transversaux aux deux tables rondes auxquelles nous allons assister cet après-midi. Nous commencerons par une première table ronde intitulée « Comment le télétravail renforce-t-il les inégalités entre les femmes et les hommes ?» qui sera évidemment suivie d'un temps d'échange avec le public. Nous marquerons une petite pause avant de vous présenter les préconisations de l'étude. Et nous enchaînerons avec une deuxième table ronde intitulée « Quelles conditions pour un télétravail porteur d'égalité ?» suivie également d'un temps d'échange. Nous conclurons cet après-midi par la remise officielle du rapport par Marie-Pierre Badret, présidente du Centre Hubertine Auclair, à Charlotte Bald, déléguée spéciale à l'égalité femmes-hommes auprès de la présidente de région. Cet échange est également retransmis en direct sur YouTube avec quelques connexions et sera disponible en replay, peut-être pas dès ce soir, mais dès demain. Je remercie d'ores et déjà l'ensemble des intervenantes pour leur participation à cet événement, vous toutes et tous qui vous êtes déplacés ici au sein de l'auditorium du Conseil régional et évidemment l'ensemble des équipes du centre pour l'organisation toujours au cordeau de cet événement. J'en terminerai en apportant une précision d'ordre sanitaire. Nous savons que les protocoles ont été allégés depuis hier,
mais nous vous proposons autant que possible de garder votre masque dans le public de l'auditorium afin d'assurer la protection du plus grand nombre, et notamment des plus fragiles. Je vous remercie de votre présence, encore une fois, et je vous remercie et je vous souhaite surtout une bonne après-midi d'échange et de réflexion. À tout à l'heure. Je cède donc la parole à François Grolier, chargé de formation au Centre Hubertine-Auclert, pour l'animation de la première table ronde, et j'invite les intervenantes à nous rejoindre sur scène. Et là, oui, je m'entends moi-même. Merci beaucoup pour cette introduction, Amandine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous deux. Cette première table ronde, comme le disait Amandine, l'idée, ça va être d'échanger sur la partie de voir de quelle manière le télétravail renforce et a pu renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes. Pour échanger autour de cette thématique, je suis accompagné de Rachel Silvera. Vous êtes économiste, co-directrice du réseau MAGE, le réseau de recherche interdisciplinaire et internationale, donc qui travaille sur les questions de marché du travail et genre. Et je suis accompagné également de Julie Epting, donc co-fondatrice de l'association Mayday. Donc vous nous expliquerez plus particulièrement sur quoi travaille Mayday pendant votre prise de parole. Et nous aurons également Karine Babul, qui représente l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui sera avec nous en vidéo, puisqu'elle ne pouvait pas être disponible aujourd'hui, et qui donc voilà, pourra aussi apporter sa parole aux échanges. Comment le télétravail renforce les inégalités de genre? On a pu voir, notamment médiatiquement, on nous a beaucoup présenté depuis le premier confinement l'image d'un télétravailleur heureux, avec en apparence des aspects très très positifs. On nous a beaucoup mis en avant une réduction des temps de transport ou du stress, plus d'autonomie. Donc médiatiquement, en temps de confinement, c'est quelque chose qui a été très mis en avant. Mais c'est intéressant aussi de voir, comme le disait Amandine tout à l'heure, comme toute cette période-là et toute cette mise en place d'un télétravail dégradé, puisque c'était une période très particulière, permet aussi de faire un effet loop, qui permet de montrer la persistance de certaines inégalités entre les femmes et les hommes. On va donc se poser la question de voir si les femmes et les hommes sont aujourd'hui équitablement armés pour que le télétravail participe de ce qu'on appelle la qualité de vie au travail et participe aussi de réduire des risques psychosociaux. Donc dans un premier temps, Rachel Silvera, vous nous présenterez sur cette thématique tout ce qui est risque en termes de travail, comment ça a impacté le travail des femmes, toute cette mise en place du télétravail et en particulier ce télétravail dégradé pendant la période de confinement. Karine Babul, donc en vidéo, nous parlera des cadres réglementaires mis en place, existants ou non, sur cette thématique, et ensuite sur les impacts en termes de qualité de vie au travail. Et ensuite, Julie Epting, vous nous parlerez de la question de l'articulation des temps, plus particulièrement au prisme de ce que vous avez pu observer au niveau de l'association Mayday. Donc, je vous propose de vous passer tout de suite la parole, Rachel Silvera, pour nous partager vos réflexions sur les risques en termes de travail. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe pour votre invitation. Merci pour ce précieux document que l'on découvre aujourd'hui même. Ça a été déjà dit en introduction. Je crois qu'il n'y a pas eu encore une étude systématique de la question du télétravail, du point de vue des inégalités femmes-hommes. Et je pense qu'on a déjà appris quelque chose de la crise, finalement, puisque la mobilisation que vous avez mise en œuvre sur ces quelques mois de travail où j'ai été sollicitée, ont permis déjà d'aboutir à ce premier résultat, et ça me paraît essentiel. D'autant plus que ce n'était pas gagné. Vous avez dit en introduction qu'on avait plébiscité le télétravail jusqu'à présent comme un moyen d'autonomie, de réduire le temps de transport, d'amélioration de la qualité de vie au travail. Et je rajouterais que c'était très souvent un argument mis en avant du point de vue de l'égalité femmes-hommes. On se souvient que beaucoup d'accords égalité femmes-hommes, ou bien d'accords, alors je parle d'accords dans l'entreprise, en matière de temps de travail, pouvaient écrire noir sur blanc,
possibilité de télétravail pour favoriser, et je mets plein de guillemets, je souris, la conciliation vie familiale et vie professionnelle, sous-entendu surtout pour mesdames, sans que ce soit dit forcément. Donc, on partait de là, le télétravail, quelle chance. Et d'ailleurs, il a été plébiscité, surtout par les femmes, même au début de cette crise. Au total, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment de recul, mais effectivement, comme vous l'indiquez, les points noirs, les points critiques sont là et bien, bien, bien présents. Première remarque qui a été évoquée, eh bien, quand on s'est retrouvé en confinement, quand on a commencé à réfléchir sur les répercussions de ce nouveau mode de travail imposé, on s'est aperçu qu'on n'avait pas de données. Pas de données sexuées sur qui télétravaillait, qui ne pouvait pas télétravailler, et parmi ceux qui télétravaillaient, quelle était la part des femmes, quels étaient les risques du point de vue des femmes. À ce niveau-là, on a été en aveugle pendant de longs mois, hein, si ce n'est des années. Il y avait peu d'enquêtes. Lorsqu'elles existaient, elles n'étaient pas sexuées. Et ensuite, heureusement, elles l'ont été. Et en fait, on faisait souvent, hein, je me rappelle de données d'ARES, ministère du Travail, INSEE, on extrapolait. On nous parlait de catégories professionnelles concernées. Et on pouvait dire, bon, ben là, c'est plutôt des hommes, cadres, par définition. Ah ben là, finalement, c'est aussi des femmes, employées, secteur administratif, qui ont été massivement concernés par le premier confinement et le télétravail. Mais on y allait un peu à l'aveugle. Et heureusement, ben finalement, là aussi, c'est un bienfait de cette crise. Il y a eu différentes études. J'en citerai ici et là, mais j'ai vu que dans le rapport, elles y étaient toutes. L'INED, l'ANACT, la DARES, et puis une enquête de l'UGIT-CGT que j'ai eu l'occasion d'analyser, et puis de Boston Consulting Group avec l'Ipsos qui a justement apporté quelques données chiffrées. Donc déjà, ce n'était pas gagné à ce niveau-là. Le deuxième constat massif, c'est que, à mon sens, le télétravail est un miroir grossissant et même aggravant des inégalités femmes-hommes. Alors, il y a plein de façons d'en parler sur le plan strict du travail. Je dirais déjà que les conditions n'ont pas été les mêmes. Et effectivement, je fais l'effort, on part du confinement, d'un télétravail complet. C'est là qu'on a vu se révéler la plupart des inégalités et des problèmes. Évidemment qu'aujourd'hui, avec un télétravail assoupli, je finirai là-dessus, les choses sont un peu différentes. Donc là, on est en plein cœur de la crise. Qu'est-ce qu'on constate ? Les femmes n'ont pas les mêmes conditions que les hommes pour télétravailler. Moins d'espace dédié. Vous vous rappelez Virginia Woolf, une chambre à soi, qui est en fait un espace à soi, hein, the room. Donc, pas d'espace dédié. Je me rappelle d'un journal qui titrait « Monsieur dans son bureau, madame dans le salon », si ce n'est pas dans la cuisine. Hein ? Donc, ici, pas d'espace dédié. L'INED nous le rappelle, 47% des hommes ont eu une pièce à eux, 29% des femmes, et on est chez les cadres. La plupart des études, c'est d'ailleurs une critique à faire, portent sur la population des cadres, pas des autres, alors que s'il y a eu autant de femmes que d'hommes finalement en télétravail, c'est parce que le secteur administratif a été touché de plein fouet. Elles ont eu en général moins de matériel adapté, moins de prise en charge par l'employeur des conditions, que ce soit Wi-Fi, ordinateur, etc. Elles se sont plus souvent débrouillées que les hommes qui ont eu un accompagnement. Autre chose, pas d'accompagnement, moins d'accompagnement pour télétravailler quand on n'a jamais télétravaillé de sa vie du jour au lendemain. Plus d'interruptions dans le travail, d'après BCG Ipsos, 28% des femmes déclarent être sans arrêt interrompues tout en télétravaillant. C'est le cas de 19% des hommes. On pourrait multiplier les exemples à l'appel. Ce qui est important de retenir, c'est que finalement, comme toujours, chez les femmes, il va y avoir une absence d'étanchéité, on y reviendra après, entre travail et vie familiale et domestique, renforcée évidemment en télétravaillant, puisqu'on ne passe pas forcément la porte du bureau. Et là, bien entendu, que c'est à l'origine d'une situation. Alors, vous m'aviez incité à évoquer cette dimension que j'aurais peut-être pas relevée de cette façon-là.
finalement, il y a eu une sorte de suspicion sur la qualité du télétravail des femmes par rapport aux hommes. Les directions d'entreprise, j'espère que vous apporterez tout à l'heure un point de vue différent, madame, puisque vous interviendrez au nom des entreprises, mais en règle générale, il y a une sorte de suspicion non dite hein, qui consiste à se demander qu'est-ce que font les femmes quand elles télétravaillent. Elles travaillent ou elles en profitent pour faire autre chose. Il faut dire, à la décharge des entreprises, que la situation a été un peu complexe, puisque vous vous rappelez les fermetures d'écoles complètes, puis des fermetures de classes, ont fait que le droit du travail s'est appliqué de façon un peu floue et qu'on a pu, c'est les femmes, hein, ont pu télétravailler tout en gardant leurs enfants. Oui, c'est possible. Il n'y a pas toujours eu des jours réservés pour garde d'enfants. Encore aujourd'hui, on me raconte que dans certaines entreprises, lorsque vous n'avez plus de jours pour enfants malades, ils ne sont pas malades, leur classe est fermée. Quand vous avez épuisé ces jours-là, eh bien vous tapez dans vos propres congés. Ou alors, vous essayez de télétravailler tout en gardant des enfants. Mission impossible. Et alors, cette suspicion, du coup, elle joue à l'inverse. C'est même pire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrive à ce paradoxe, c'est que le peu d'infos qu'on a montre qu'en général, les femmes ont tendance à se surconnecter, à combler finalement cette suspicion en faisant la preuve, oui, qu'elles assument leur travail tout en assurant des tâches domestiques et familiales qui ont explosé pendant cette crise. Elles ont moins de droits à la déconnexion. Leurs droits, en général, sont moins précis, moins encadrés que les hommes. Et en dehors des heures critiques, les 17, 18, 21 heures, où là, les hommes pouvaient être davantage connectés qu'elles, eh bien, elles ont souvent rattrapé, comblé les trous hein, dans leur présence. Et on note donc une surconnexion avec deux éléments. Elles sont bien plus nombreuses à dire que leur charge de travail a augmenté avec le télétravail. 36% d'entre elles le disent pour 29% des hommes. Et puis, autre chose, c'est la DARES qui nous le dit, elles sont plus nombreuses à avoir vu leur temps de travail augmenter. 24% le disent contre 20% pour les hommes. Enfin, dernier point, j'espère ne pas être trop longue. Il y a effectivement un effet pervers pour l'avenir dans le système hybride. En même temps, là, aujourd'hui, on n'est plus dans le tout télétravail, sauf cas exceptionnel. On est plutôt dans des formes hybrides, donc de journées de présentiel avec des journées de distanciel qui peuvent d'ailleurs être dans un tiers lieu. Hein, c'est encore un nouveau cas de figure. Et du coup, on peut se dire, est-ce que ce n'est pas mieux pour les femmes maintenant, puisqu'il n'y aura pas le tout télétravail, on va sortir de cet écueil et tout ira mieux. Eh bien, on peut être là aussi plutôt pessimiste et s'interroger sur de nouveaux effets pervers dans ce système hybride. D'abord, notons qu'a priori, de ce que j'ai pu trouver, j'ai cherché des données, mais là aussi, on n'en a pas, les femmes seraient plus nombreuses à continuer à télétravailler que les hommes qui ont eu tendance, on ne sait pas pourquoi, je suis désolée, pardon pour les rares messieurs qui nous ont rejoints et qui sont intéressés par notre sujet, qui ont eu tendance à très vite reprendre leur marque et retourner en entreprise, fuyant même ce bureau isolé de leur domicile. Non, je plaisante. Eh bien, globalement, comme elles restent un peu plus encore aujourd'hui en télétravail, elles préfèrent, on peut s'inquiéter sur une sorte d'invisibilité qui apparaîtrait parce qu'elles restent du coup plus éloignées des réseaux informels qui peuvent exister autour du café, à la pause déjeuner, etc. Là où ça a repris pour une partie de l'entreprise, souvent, elles ne sont pas là. On avait déjà noté aussi sur la prise de parole aux réunions que les visioconférences ne sont pas favorables à la mixité des paroles, c'est moins qu'on puisse dire. Là aussi, on peut d'ailleurs, hein, c'est enregistré,
on peut le comptabiliser. La parole ne circule pas forcément. Du coup, on note déjà moins de hausse de salaire ou moins d'augmentation de salaire quand il y en a. Là aussi, du côté, c'est l'APEC qui a fait une étude sur les femmes cadres et la crise sanitaire et qui montre que, visiblement, les écarts de salaire entre hommes et femmes cadres qui avaient tendance à se réduire, les écarts sont toujours là. Je vous rassure pas, mais je vous le confirme. Ce ralentissement n'a plus lieu d'être depuis 2020. Visiblement, les augmentations de salaire des cadres ont été plutôt adressées à ces messieurs qu'à ces dames. Moins de promotion, un risque d'avoir du coup moins de responsabilités qui leur seraient confiées parce que justement, elles sont loin de l'entreprise et même si c'est à mi-temps ou même que 2 jours par semaine, il n'empêche que souvent, c'est quand elles ne sont pas là que vont se jouer des décisions et que les managers vont noter, évaluer, etc., etc. Donc, chasser le naturel, il revient au galop. Et finalement, pour finir, j'ai envie de dire que ça m'a rappelé une époque déjà passée où lorsque le temps partiel s'était développé, rappelez-vous, je pense aux plus anciennes, on s'était inquiété sur le fait que, étant à temps partiel, les femmes n'étaient pas là tous les jours en entreprise, même quand elles le revendiquaient. Hein. Je ne parle pas d'un temps partiel imposé, ce n'est pas le sujet. Je parle d'un temps partiel à la demande de salariés, majorité de femmes, pour mieux articuler leur temps de vie. Eh bien, on s'est rendu compte qu'à cette occasion, et du coup, certains accords égalité disent, en tout cas à l'écrit, qu'elles veulent remédier à cela, eh bien que les femmes à temps partiel avaient moins accès à des promotions, à des responsabilités, parce que loin des yeux, loin du cœur. Donc, attention, hein, donc moi j'insiste surtout sur ces aspects-là, attention à ce qu'il n'y ait pas à nouveau de nouveaux processus, finalement, d'exclusion qui se recréent, alors même qu'on avait gagné quelques batailles, on est encore loin du compte, mais voilà, chemin faisant, on peut penser que la crise et cet effet télétravail puissent remettre en cause un certain nombre d'acquis. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup pour cet état des lieux qui nous permet en effet de voir que les inégalités professionnelles entre femmes et hommes qui sont déjà existantes, de voir de quelle manière elles avaient souvent été renforcées par des situations de temps partiel et qu'elles sont là aussi renforcées par des situations de télétravail. Donc, c'est intéressant de voir comme ça impacte à tout un tas de niveaux, comme vous l'avez très bien dit, de la rémunération à l'invisibilisation en prise de parole. Donc, merci beaucoup pour cet état des lieux. Je vous propose qu'on regarde la vidéo de Karine Babule. Donc, Karine Babule qui est chargée de mission au département expérimentation de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, donc l'ANACT, qui va nous parler des cadres réglementaires existants ou inexistants ou non mis en place sur les questions de télétravail et qui ensuite va nous poser quelques éléments autour des enjeux d'impact sur la qualité de vie au travail des femmes en télétravail. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, concernant l'égalité professionnelle et le télétravail, quel est le rôle de l'ANACT? Eh bien, je souhaiterais vous dire qu'effectivement, le réseau ANACT-ARACT traite des questions d'organisation hybride et d'égalité intégrée depuis 2008 avec une offre de service sur l'égalité professionnelle et une offre de service sur le télétravail et un croisement entre ces deux sujets. D'une part, par rapport au modèle égalité des inégalités organisationnelles au travail femmes-hommes que vous pouvez voir à gauche, que vous retrouvez dans le guide Mixité 2011, eh bien, nous nous sommes interrogés à savoir, par rapport aux écarts de rémunération, de santé et de carrière qui viennent se loger dans des causes relatives à la division sexuée du travail, à la gestion des parcours, aux questions de conditions de travail et d'articulation des temps, eh bien, dans quelle mesure le télétravail était un levier ou un frein pour la réduction de ces écarts. Et puis d'autre part, par rapport à notre grille de lecture télétravail,
travail, les cinq dimensions que vous pouvez voir ici, dans quelle mesure, eh bien, en chaussant les lunettes du genre, on pouvait voir des situations de travail différentes entre les femmes et les hommes. Et effectivement, nous avons identifié des conditions de travail, de télétravail différentes avant la crise, mais également pendant la crise, entre les femmes et les hommes, un recul de l'égalité professionnelle dans le dialogue social durant ces dernières années, avec une augmentation par contre du sujet du télétravail, mais avec une absence de ce dernier sujet égalité dans ces derniers. Et puis nous avons des accords nationaux télétravail dans le secteur public et dans le secteur privé, interprofessionnel en 2020 et en 2021, qui nous propose cette articulation entre égalité et télétravail, mais qui nous propose des défis véritablement à la fois pour la négociation télétravail et organisation hybride et pour la négociation égalité. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans ces accords interprofessionnels? Est-ce qu'ils sont appliqués aujourd'hui ou non? L'accord national interprofessionnel du secteur public est très intéressant parce qu'il nous propose, il nous encourage à une égalité d'accès au télétravail de qualité et une égalité de traitement en tant que télétravailleur, notamment pour les primo-télétravailleurs qui sont souvent des primo-télétravailleuses. Et en précisant récemment doté d'équipements numériques et mobiles. Dans ce même texte, une question sur les tiers-lieux qui sont présentés comme pouvant réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Et puis la question de quel est l'impact du télétravail sur l'égalité professionnelle, en mentionnant la question des violences sexuelles et sexistes et les effets de levier potentiels, accès à l'emploi, articulation des temps et parcours professionnels. Voilà ce que l'on retrouve dans ce texte et dans le texte interprofessionnel du secteur privé qui a été signé un an auparavant. Eh bien, l'ambition est un peu moindre, dans le sens où il y a un paragraphe dédié sur l'égalité femmes-hommes, en mentionnant qu'effectivement le télétravail ne doit pas être un frein, que l'employeur s'assure de l'égalité d'accès au télétravail et que c'est une des conditions de réussite, cette intégration de l'égalité professionnelle. Et puis, on retrouve également un paragraphe dédié sur la gestion des carrières, plus spécifiquement, donc une des quatre dimensions, en mentionnant que le télétravail n'est pas censé influencer négativement la carrière et que l'éloignement physique de la salariée des centres de décision ou du manager ne doit pas conduire à une exclusion des politiques de promotion interne et de revalorisation salariale. Donc ces textes nous font des propositions de développer une égalité d'accès à un télétravail de qualité pour toutes et tous, de prévenir les risques en défaveur des femmes ou le renforcement des risques existants, mais également de faire du télétravail un levier au service de la réduction des inégalités sur les quatre axes par exemple, mais il y a d'autres modèles, et aussi de développer des organisations sensibles au genre du point de vue des conditions de travail des femmes et des hommes sur les cinq dimensions par exemple, mais il y a également d'autres modèles. Donc les challenges véritablement et que l'on a pu voir qui n'était pas présent, en tout cas c'est dans les derniers accords, mais n'oublions pas que nous sommes sur une temporalité relativement courte depuis l'explosion du télétravail du fait de la crise sanitaire. Donc les challenges et ce qui est absent, c'est véritablement l'égalité comme un enjeu à part entière dès le préambule dans les accords télétravail, mais aussi dans les accords égalité, inversement l'intégration du télétravail. Bien sûr, la question qui n'était pas présente, c'est l'égalité comme principe méthodologique, au même titre que le paritarisme ou l'approche centrée sur le travail réel, mais vous découvrirez ce que cela veut dire plus précisément dans le rapport, et des points de vigilance genrés pour l'ensemble des actions dans les accords télétravail, pour un accord véritablement sensible au genre, voire des mesures spécifiques. Ces éléments-là n'étant pas présents dans les accords que, par exemple, le réseau Anactaract a étudié sur l'année 2020. Si on s'intéresse aux questions de troubles musculo-squelettiques, de troubles psychosociaux, de qualité de vie au travail et des situations différentes que l'on peut avoir entre les femmes et les hommes, eh bien, on a besoin de regarder au-delà du télétravail, mais de regarder plus globalement la question du travail et des organisations hybrides. Et là, on voit qu'il y a un véritable challenge pour les encadrants de pouvoir traiter cette question de manière collective, parce qu'on voit qu'il y a une véritable complexité
Qu'est-ce que cela veut dire travail hybride? Eh bien là, on a une proposition dans le cadre de prescriptions, qui sont les règles, les accords, les chartes. On peut avoir des combinaisons multiples de conditions de travail par rapport à des activités individuelles et des activités collectives, qui est le quotidien des activités des uns et des autres. Mais avec ce travail hybride, effectivement, on est soit en présentiel, soit en distanciel. Et pour mener à bien ces activités, eh bien, on peut avoir des contraintes et des ressources. Des contraintes et des ressources en termes d'espace. On parle beaucoup des espaces, mais on a ces cinq dimensions du télétravail qui peuvent être facteurs de contraintes et de ressources de manière tout à fait différente selon les organisations. Donc en termes d'équipement et d'outils numériques aussi, donc, qui était un bloc très important dans nos interventions que nous avons pu faire notamment dans le secteur public. Bien sûr, il y a la question de la charge de travail, du temps de travail, des pratiques managériales, du rapport au collectif. Et par rapport à ces différentes situations de travail que peuvent rencontrer les uns et les autres, avec des subjectivités, bien sûr, sur ce qui fait contrainte des ressources, eh bien, on a besoin de régulation individuelle, collective, managériale, pour effectivement rééquilibrer ces contraintes. Puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les collaborateurs, les agents jouent un petit peu aux équilibristes parce qu'effectivement, toutes les conditions ne sont pas forcément nécessairement toujours réunies. Il y a un véritable apprentissage organisationnel et il y a des répercussions potentielles en termes de performance et de santé avec des différences entre les femmes et les hommes potentiellement. Alors, je vais vous présenter deux exemples, une situation globale et puis des situations spécifiques avec un focus sur les répercussions sur les femmes et les hommes. Alors ici, nous avons une situation de travail, une situation d'un collectif de travail dans la fonction publique. Un collectif qui avait déjà subi des transformations organisationnelles avec une révision des rôles des différents acteurs sur la chaîne de production, une introduction d'un nouvel outil numérique, une numérisation en cours des outils. Donc le télétravail se retrouve dans une situation déjà en termes de ressources contraintes. De ressources contraintes aussi en termes de ressources humaines, un certain nombre de turnover avec des experts, de départs d'experts. Donc on s'aperçoit que en situation de télétravail ou de travail hybride, eh bien, les collectifs de travail, pour traiter certains dossiers complexes, eh bien, vont les traiter sur site. Et régulé de manière asynchrone, a posteriori, avec les personnes qui sont à distance, parce que ces dossiers nécessitent une certaine proximité et le traitement des dossiers à distance est rendu compliqué par le fait qu'il y a une préparation nécessaire, parce qu'il y a encore des éléments qui ne sont pas numérisés, donc un transport de matériel, de documents, etc. Et puis des agents qui perçoivent le télétravail comme étant un temps d'activité individuelle et non collectif, donc parfois aussi des difficultés à joindre les agents, faute d'avoir aussi un renvoi d'appel automatique. Donc, vous voyez qu'ici, on voit la complexité, les éléments intriqués pour être au rendez-vous des objectifs qui est le traitement de ces dossiers complexes en temps et en heure de manière régulière tous les mois. Et bien, on voit que sur les différentes dimensions, équipement, espace, etc., il y a des contraintes et des ressources à identifier. Et puis, sur la question spécifique des femmes, et bien, quatre situations sur les équipements et les outils numériques, par exemple, eh bien, on a ce retour d'expérience qui nous dit « je suis primo télétravailleuse, je n'ai pas de webcam sur mon fixe au bureau et une connexion Wi-Fi instable à distance, je suis pénalisée lors des réunions en visioconférence, mais nous pratiquons encore beaucoup les réunions présentielles ». Donc on voit qu'ici, sur cette situation de primo-télétravailleurs qui sont souvent des primo-télétravailleuses, eh bien la question des équipements vient être plus contrainte que ressource et poser difficultés dans le travail, étant potentiellement source de troubles psychosociaux si on sent un éloignement, un éloignement du collectif, des difficultés, etc. Deuxième situation, en bas à gauche, relativement aux espaces de travail.
cette personne, elle vient sur site parce qu'elle n'a pas les conditions de travail à domicile adaptées. Et notamment pendant la crise, ça c'est quelque chose qui est très important du fait des conditions de travail, mais aussi potentiellement des violences conjugales qui peuvent avoir lieu. Donc la question du retour sur site est importante. Et cette personne, eh bien, elle revient sur site et elle se retrouve parfois un peu seule à eh bien, réceptionner les appels entrants de l'interne, parce que du fait de, eh bien, que ces appels ne soient pas redistribués directement en direction des personnes adéquates, idoines. Par conséquent, elle doit traiter des questionnements, des demandes qui ne relèvent pas de son ressort, puisqu'elle n'est pas experte de l'ensemble des dossiers de ses collègues, ce qui peut être source de tension. Un troisième exemple, en haut à droite, eh bien, cette personne a une situation de travail empêché sur site, puisque le bureau partagé est bruyant sur site. Cette personne se réfugie au domicile, mais au domicile, elle n'a pas un espace dédié. Et puis, elle a la question des enfants hein, qui sont à gérer, qui reviennent de l'école quand on est en situation hors crise sanitaire. Donc, on voit là aussi encore une situation de travail dégradé pour les femmes du fait en situation de télétravail. Et puis enfin, dernier exemple, eh bien, cette personne, elle travaille, c'est souvent une situation que l'on retrouve pour les fonctions d'assistana en support à plusieurs services. Cette personne est en support à plusieurs services. Chaque service a utilisé ses outils de communication dédiés sans forcément de régulation globale, eh bien, cette personne a une charge mentale supplémentaire parce qu'il y a différents outils. L'inclusion numérique n'est pas nécessairement quelque chose qui a été mis en place. Et puis, les dossiers ne sont pas nécessairement aux mêmes endroits. Il y a une recherche coûteuse de l'information, etc. Voilà quelques exemples de situations différenciées de femmes et d'hommes. Je ne vais pas plus loin, vous aurez davantage d'éléments dans le rapport. N'hésitez pas à aller voir les ressources du réseau sur ces questions de télétravail, égalité professionnelle, et puis de manière spécifique, les ressources sur l'égalité et le télétravail. J'ai essayé d'être le plus rapide possible, mais je vois que j'ai un petit peu dépassé mon temps de 10 minutes. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente séance sur ce sujet particulièrement prégnant sur la période. Merci beaucoup. Merci donc à Karine Babule qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui et qui a participé à la rédaction de l'étude que vous avez entre les mains et autour de laquelle s'est pensé cet événement et qui nous permet voilà, de prendre un peu de recul en termes de qualité de vie au travail sur des situations très concrètes. Comment est-ce que ça peut se passer pour les personnes qui sont en situation d'assistanat et de voir très concrètement comment ces situations-là vont impacter la qualité de vie au travail des femmes. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce recul-là et aussi de voir en termes de cadrage, de voir comme les accords nationaux ont pu prendre en compte de manière transversale plus ou moins la question de l'égalité femmes-hommes, là où les autres cadres la prennent de manière annexe ou vraiment par quelques petites entrées, mais sans la mettre de manière transversale et centrale au cadre nécessaire. Pour rester dans le concret, je propose qu'on vous écoute, Julie Epting. Donc, vous représentez l'association Mayday et que vous nous partagiez voilà, le travail de votre association et notamment cet enjeu très particulier autour du télétravail, de l'articulation des temps, temps professionnel et temps personnel. Bonjour. Julie Epting, alors merci pour votre invitation. J'ai fondé l'association MEDE en 2017. MEDE, c'est quoi ? C'est une association qui s'intéresse aux inégalités dans la sphère domestique et familiale. Je me suis rendu compte que dans les politiques d'égalité professionnelle, il y avait un gros impensé. C'était la question de la division genrée et inégale du travail domestique et des responsabilités familiales. De ce point de départ, on développe différentes actions. On intervient en milieu scolaire pour faire de la sensibilisation aux stéréotypes, au sexisme et à son impact sur la division, sur le genre de l'orientation.
vu qu'on sait que ça a aussi un impact plus tard sur les rémunérations. On propose aussi un programme de remobilisation à l'emploi pour les femmes après un congé parental, qui est un moment qui peut être un petit peu compliqué pour la reprise d'activité professionnelle. Et enfin, on a développé un outil, enfin on essaye de réfléchir à des outils pour sensibiliser à ces questions, un outil qui s'appelle Mayday App. C'est la première application de quantification et de valorisation du travail domestique et familial. Je vous en parlerai un petit peu après. Pour revenir sur le point de départ, moi, il y avait une phrase qui m'avait, quand j'étais tout au début du projet, qui m'avait fortement interpellée, une phrase de Brigitte Grézy qui disait « Les inégalités hommes-femmes dans le monde du travail trouvent en partie leur origine dans la répartition très déséquilibrée des tâches ménagères ». Ça peut paraître très trivial comme sujet. Moi, j'aimerais vraiment que ça vienne sur le devant de la scène parce que, pour moi, le travail, qu'il soit en entreprise ou télétravaillé, ça restera une problématique tant qu'on n'en discutera pas. Alors, pour donner quelques chiffres, alors déjà, avant la crise, globalement, on dit qu'il y a entre 60 et 80% du travail domestique et familial qui est supporté par les femmes. Pourquoi entre 60 et 80%? Ça dépend du périmètre retenu. Ça, c'est des chiffres de l'enquête emploi du temps de l'INSEE, parce qu'il y a certaines tâches qui peuvent être considérées un petit peu comme... Enfin, moins comme le centre des tâches domestiques, la couture, le bricolage, et qui pourraient être associées plus à du temps de loisir. Et ce que je trouve assez drôle, c'est que si une majorité d'hommes est d'accord avec l'idée que le travail domestique est l'affaire de tous et toutes, ce sont encore donc les femmes qui assurent la plus grande partie de ce travail-là. On voit que les choses ont très, très peu changé depuis les premières enquêtes emploi du temps de l'INSEE, qu'on fait depuis les années 80. Elles sont faites à peu près tous les 10 ans parce que c'est une enquête qui est assez énorme à mettre en place et puis qu'on se rend compte que les choses changent très peu. Qu'est-ce qu'on note, c'est que au niveau de l'investissement sur le temps domestique des hommes, il y a très très peu d'évolution. Une petite évolution, hein, on parle beaucoup des nouveaux papas, ça fait beaucoup de papier. Je trouve ça très très chouette comme idée, et c'est tout ce que je souhaite. Mais ça change très peu en termes de minutes, je ne sais plus, entre 7 et 30 minutes à la louche. Et par contre, on voit que les femmes en font moins. Ce qui peut des fois un peu fausser les représentations qu'on peut avoir de son investissement domestique. Elles en font moins pour plusieurs raisons, parce qu'il y a un taux d'équipement d'électroménager, notamment lave-linge, enfin des choses comme ça, qui ont permis de baisser ce temps-là, et puis aussi parce qu'il y a eu des lois qui ont favorisé la sous-traitance de certaines tâches. Donc certaines personnes, en plus, ont pu ne plus se sentir que c'était pas un problème pour elles et que c'était que un problème, cette division genrée du travail domestique, pour une certaine partie de la population. Sauf que pour moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que d'une, c'est un travail de femme qui est sous-traité à d'autres femmes. On l'a pas questionné. Qu'est-ce qui se passe quand ces autres femmes ne peuvent pas venir? Et ça, c'est ce qui a été très, très intéressant pendant cette période de pandémie. On s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu une expérience commune. On a ouvert le marché de l'emploi aux femmes dans les années 70. Elles peuvent travailler sans l'autorisation des conjoints, bénéficier de leurs propres ressources, mais elles y vont tant que cette affaire du travail domestique est gérée. Autre point qui est important, c'est que ce travail gratuit qui est assuré par les femmes, parce qu'elles savent faire ça de manière assez innée, ça a aussi un impact, il y a des études sur leur rémunération. Donc voilà pour les constats qui sont un petit peu d'avant le Covid. Autre constat qui est fait, il y a une étude qui est assez intéressante que je vous invite à relire, qui date de 2009 ou 2012, de Sylviane Giampino
et de Brigitte Grézy qui ont mené une série d'entretiens sur le monde du travail, qui est pour moi un environnement fait par et pour les hommes. Et donc, elles ont, dans le cadre de différents entretiens, elles ont questionné les normes masculines en entreprise. Et là encore, j'en reviens à ce point que ce soit en télétravail ou en travail, on a juste déplacé le lieu, mais on n'a pas forcément, dans ma lecture, questionné ces normes-là. Alors pour la période de Covid, alors certains chiffres ont déjà été communiqués. 45% assuraient une double journée professionnelle, où en plus des fois elles ont rattrapé le soir. Et donc il y a plus de situations de burn-out pour les femmes. 80% des femmes en occupant un emploi consacraient plus de 4 heures par jour à leurs enfants contre 50% des hommes, et elles sont deux fois plus nombreuses que les pères à renoncer à travailler pour s'occuper des enfants. Donc voilà pour quelques chiffres pendant la crise. C'est très important de le questionner parce que pour moi, enfin pas que pour moi, enfin, il y a des études à l'appui, ça a un impact personnel, je vous ai dit, bon, sur la fatigue que ça peut générer, un impact économique, sur la dépendance financière des femmes, impact social, leur temps de loisir. Le temps de loisir, c'est assez intéressant, je n'ai pas réussi à retrouver la source, mais il semblerait que le télétravail permettrait aux femmes de faire plus de choses à la maison, et pour les hommes, ça leur permettrait de dégager plus de temps pour les loisirs. Voilà, les inégalités professionnelles, ça rejoint un peu l'impact économique. Revenir sur nos actions, moi, je vous invite un petit peu, et ce que j'ai retenu de cette crise-là, donc on a lancé un petit peu l'application pendant le premier confinement, tout au début du confinement, donc je n'ai pas vraiment de chiffres sur avant et après. Et puis en plus, c'est une situation qui est très particulière. Ça ne va pas forcément donner plein d'éléments de compréhension pour le télétravail, vu que ça s'inscrit dans une période spécifique. Donc on a à peu près 10 000 créations de comptes à ce jour-là. Ce qui ressort, c'est qui rejoint certains travaux que j'avais lus, c'est l'interprétation qu'ont les hommes et les femmes de leur investissement. Souvent, les femmes ont elles sous-interprètent le temps qu'elles passent dans cette sphère-là et l'impact que ça peut avoir sur les autres sphères. Donc en ça, l'outil qu'on a développé paraissait pertinent parce qu'il enlève les biais et il permet simplement de comptabiliser le temps qu'on investit. Et les hommes ont une surreprésentation de leur investissement parce qu'ils se comparent plus souvent à leur père, P-E-R-E, père, P-A-I-R, que à leur compagne. Voilà, donc ça permet de lutter contre la représentation faussée. Et dans l'enquête qu'on a fait, le bilan qu'on a fait de cette première de cette première version, parce qu'il y a une deuxième version qui sort très prochainement le 6 avril dans le cadre de la Journée internationale du travail invisible, c'est le manque de reconnaissance que peuvent ressentir ces femmes, la souffrance que ça peut générer et la manière dont ça a pu elles ont pu se rendre compte de l'impact que ça avait sur leur temps de loisir et de travail. J'ai notamment un témoignage que je vais vous lire assez simplement et que je trouve très pertinent et très touchant. Moi, il m'a particulièrement touchée. Donc d'une utilisatrice. Bonjour, j'utilise votre application depuis 2 semaines et je voulais vous dire merci. Je me demande pourquoi ça n'a pas existé avant. Bon, ça c'est le petit moment promo. Mes idées m'aident à y voir plus clair sur ce qui m'occupe réellement. Mes journées ne semblaient qu'une longue suite de rien et d'ennuis, ou alors une longue suite de corvées indissociables. Mais pourquoi je suis devenue acariâtre ? Maintenant j'ai des indices. C'est peut-être à cause de ces 25 heures de travail hebdomadaire pour le bien commun. Quand l'école aura vraiment repris toute la journée, je vais pouvoir récupérer 10 heures par semaine. Et pourtant, mon compagnon participe. Ça, je l'entends aussi beaucoup, que les conjoints aident beaucoup. Et c'est très chouette qu'ils aident.
Et elle continue. Je voulais avoir une vision plus précise de mes activités et aussi avancer dans l'égalité. Au début, mon compagnon a vu ça un peu comme une déclaration de guerre. Il avait peur que j'explose le compteur et que je lui reproche. Puis, il a trouvé ça ludique de saisir et de chronométrer. Presque, il cherchait une tâche pour augmenter son temps. Bon. Et enfin, ce que j'ai trouvé très intéressant, comme j'ai rapidement vu que je faisais beaucoup, surtout en cette période de non-école, je me suis sentie plus courageuse pour sortir toute une journée le week-end. Ce n'est pas que je dois demander la permission, mais bon, j'ai l'impression que je m'auto-censure au niveau de mes idées de sortie. Cette fois, je suis partie marcher 20 km avec une amie. Je me suis dit, j'y ai le droit. Et c'est ce qui a permis à mon compagnon de compter des heures dans mes idées. J'ai trouvé ça très intéressant, le fait que de cette prise en compte de ce temps, elle s'autorise soit plus pour des activités pour elle, mais on l'a retrouvé aussi dans d'autres témoignages, plus d'activités pour l'entreprise et que ça permette de faire des choix un petit peu plus éclairés. J'espère que ça sera beaucoup téléchargé parce que j'ai quelques inquiétudes pour les mois, les années à venir sur le monde du travail qui a subi quelques mutations. Comme on disait au début que c'était un monde d'hommes fait par et pour les hommes, alors j'espère qu'on va questionner tout ça, mais j'ai quelques inquiétudes sur le risque de désinsertion des femmes du monde professionnel. J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter plus après ensemble. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments et pour ce témoignage en effet très, très riche qui montre bien voilà, l'importance et l'impact de quantifier, d'objectiver, de montrer aussi voilà, les tâches remplies et qui illustre bien le genre du travail domestique comme vous le disiez très bien. Avant de finir cette table ronde et de passer aux échanges, je vais juste faire un petit focus sur un sujet qui est présent dans le rapport et qui nous a semblé important de mettre aussi en avant pendant cet événement. C'était faire un focus sur la thématique des violences conjugales et des cyberviolences sexistes et sexuelles qui, voilà, et de leur présence et de leur surprésence pendant la période de confinement. Pour rappel, en 2020, pendant la pandémie de Covid-19, on a observé une augmentation des déclarations de violences sexistes et sexuelles par les victimes et par les proches, avec 4,4 fois plus de signalements qui ont pu être faits via le chat du ministère de l'Intérieur, le 3919, donc le numéro violence femmes information, qui a été sollicité 2 à 3 fois plus qu'en temps normal en amont. Donc voilà, tout un tas de chiffres particulièrement importants qui montrent, et notamment également l'augmentation du nombre d'interventions de la police à domicile, qui montrent bien que pendant cette période-là, il y a eu voilà, des violences conjugales plus importantes et qui ont impacté et continuent d'être assez présentes, puisque depuis la fin du confinement, on observe que c'est... Voilà, les déclarations au commissariat restent importantes et il y a une augmentation en 2021 de plaintes pour violences conjugales à hauteur de 14%. C'est important de mettre ça en perspective avec la thématique du télétravail, parce qu'on voit qu'en temps de télétravail, et notamment de télétravail forcé pendant les périodes de confinement, les victimes de violences conjugales ont été assignées à domicile à proximité de leurs agresseurs, avec leurs agresseurs, et donc elles ont pu être dans des situations d'isolement, une difficulté tant à prendre contact et à contacter des associations spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences pour être voilà, accompagnées, mais aussi une difficulté à solliciter en interne des entreprises, des collectivités, les dispositifs existants et profiter voilà, aussi du temps de répit que peut représenter d'être sur le lieu de travail pour les victimes. Donc c'est important de voir ça et de voir qu'en parallèle, tous les systèmes de chat pendant la période de confinement se sont particulièrement développés. Je parlais de la sollicitation sur le chat du ministère de l'Intérieur, mais aussi de chat associatif comme le chat d'En Avant Toutes qui a pu être particulièrement sollicité également. Donc ça, c'était pour les violences conjugales. C'est important aussi d'aller regarder du côté des cyberviolences sexistes et sexuelles pendant cette période de confinement et puis pendant les temps de télétravail, puisqu'on a pu observer que la distance a désinhibé les agresseurs en ligne
Et que là où on aurait pu imaginer peut-être une forme de contrainte, mais non, ça les a plutôt désinhibés. Et donc, on a pu voir une augmentation pendant la pandémie de situations de harcèlement sexuel au travail. Et sur ces situations de harcèlement sexuel au travail, 45% se sont déroulées en ligne, donc pendant des temps de réunion ou de connexion pour le travail. Ça a pu prendre tout un tas de formes, des messages à caractère sexuel reçus par mail ou sur les messageries internes des entreprises ou des collectivités, ce qu'on a pu appeler le Zoom bombing, qui, au sein d'une réunion Zoom, le fait de projeter des images à caractère pornographique ou des images violentes, qui ont pu être particulièrement violentes pour les participantes et les participants, et aussi des appels à caractère sexuel. On peut voir donc que les agresseurs ont profité, entre guillemets, du temps de télétravail pour détourner des outils pensés pour mieux travailler ensemble et les utiliser à des fins d'agression vis-à-vis des collègues. Et on a pu voir de quelle manière également, en temps de pandémie, les plateformes à l'origine n'étaient pas pensées et n'avaient pas prévu ces situations-là et que progressivement, elles ont mis en place des systèmes de salles d'attente et la possibilité d'extraire, d'exclure une personne qui tiendrait des propos sexistes ou des propos visant du harcèlement sexuel. Donc voilà, c'était juste un petit point en complément parce que c'est important de le voir de manière très transversale sur ce sujet-là. La question de l'intégration de la thématique des violences conjugales en temps de télétravail et des cyberviolences sexistes et sexuelles. Et aussi de penser, en particulier pour les collectivités, mais aussi pour les entreprises, à l'adaptation au temps de télétravail de tous les dispositifs internes qui accompagnent et qui peuvent être mobilisés par les agentes, par les salariés, en cas de violences sexistes et sexuelles. Donc ces dispositifs qui, à l'origine, ne prenaient pas forcément en compte les situations de télétravail. Donc comment est-ce qu'on peut aujourd'hui les penser et les repenser pour que les situations de télétravail, les situations de violence en temps de télétravail puissent être remontées dans ce cadre-là. Une petite quinzaine de minutes pour vous présenter les préconisations de l'étude sur le télétravail donc, que vous avez pu récupérer qui est à l'extérieur. Donc, les études se sont basées sur les recommandations de toutes les expertes et de tous les experts qui ont été sollicités dans le cadre de cette étude et notamment aussi d'autres recherches précédentes et des travaux de l'ANACT. Donc, on a pu entendre Karine Babul pendant la précédente table ronde qui ont pu nourrir ces préconisations afin de voir autour de quoi réfléchir pour améliorer les choses autour de l'égalité entre les femmes et les hommes sur la thématique du télétravail. Pour commencer, on peut regarder du côté des pratiques et du fonctionnement des organisations trois mesures pour mieux intégrer l'égalité femmes-hommes dans les pratiques et fonctionnement des organisations. Donc les trois mesures, vous les voyez à l'écran. Dans un premier temps, on l'a vu et ça fait écho à ce qui a pu être dit dans la table ronde précédente et ça sera également nourri par la table ronde qui va suivre. L'importance de mentionner l'égalité comme un enjeu intrinsèque au télétravail et vraiment de poser l'égalité entre les femmes et les hommes comme un enjeu central et transversal et ne plus saupoudrer l'égalité à certains moments pour que ce soit présent visuellement, mais vraiment la poser comme un enjeu central et transversal à toutes les pratiques. Donc l'intégrer dans une politique globale d'égalité professionnelle, avoir une entrée télétravail dans cette politique globale d'égalité professionnelle qui soit vraiment transversale. Ce qui nécessite également un portage politique assez ferme et assez fort des organisations. Et ensuite, une déclinaison auprès des porteurs et porteuses de projets et auprès des équipes de management. La seconde recommandation, c'est d'appréhender l'égalité comme une règle méthodologique et donc de voir à l'avoir constamment comme une grille de lecture à la fois systémique et systématique pour que ce soit constamment dans le regard des personnes qui travaillent sur cette thématique et qu'on conserve, vous connaissez l'expression, nos lunettes de genre sur cette thématique. Et privilégier de cette manière une approche intégrée de l'égalité et donc une lecture genre à tous les étages. La troisième recommandation donc, dans ce bloc, c'est d'innover, innover dans les formes de dialogue, donc de dialogue social et de dialogue professionnel en mode hybride. Donc on a pu voir, le mode hybride, c'est vraiment l'idée de travailler sur les deux formats, le présentiel et le distanciel ensemble. Donc comment est-ce qu'on peut mieux se faire parler les pratiques distancielles et les pratiques présentielles, donc dans le dialogue professionnel, donc en interne de la structure, les managers, les manageuses avec les équipes,
mais aussi au niveau du dialogue social, donc avec les représentants du personnel et les représentants syndicaux. De la même manière, comment est-ce qu'on peut faire monter l'égalité professionnelle et l'égalité face au télétravail comme un objet de dialogue social, donc pour faire écho également à la première table ronde. Et enfin, comment est-ce qu'on peut penser des cadres d'expression adaptés, donc cadres formels et cadres informels, pour conserver les enjeux en interne d'une organisation, en termes de reconnaissance, de cohésion, et éviter la perte d'informations. Si on va sur le terrain de la négociation et de la prévention, et comment est-ce qu'on peut questionner les cadres internes pour le bon fonctionnement des organisations, on a deux préconisations qui sont proposées. Comment est-ce qu'on peut actualiser la prévention des risques à l'aune des risques émergents pour femmes et hommes? Donc comment est-ce qu'on peut intégrer au document unique d'évaluation des risques professionnels le sujet globalement des risques psychosociaux, et en particulier en situation de télétravail, et développer des mesures spécifiques sur les violences sexistes et sexuelles de façon globale. Donc on en parlait tout à l'heure également, intégrer les sujets des violences conjugales et des cyberviolences sexistes et sexuelles, et avoir, et ça fait également le lien avec ce qu'on a pu voir, une attention particulière aux populations dites à risque, où il peut y avoir une surreprésentation des femmes. Donc on peut penser aux familles monoparentales, on peut également penser aux aidantes, qui sont donc majoritairement des femmes. Dans le cadre de la négociation collective également, comment est-ce qu'on peut mieux articuler le télétravail et l'égalité professionnelle en se référant aux outils existants, donc l'ANACT notamment, qui propose toute une série d'outils pour intégrer dans les accords télétravail et dans les chartes un cadre qui soit le plus souple possible. Et là aussi, ça fait le lien avec ce que disait Rachel Silvera dans la première table ronde, se doter d'indicateurs genrés, et comment est-ce qu'on peut les penser en amont de la rédaction d'une charte pour ensuite pouvoir suivre au mieux les évolutions de la mise en œuvre de cette charte. 5 mesures ensuite pour appréhender les problématiques du télétravail au prisme de l'égalité, et là pour faciliter les pratiques quotidiennes des personnes en télétravail. Donc dans un premier temps, comment est-ce qu'on peut veiller à l'inclusion numérique de toutes et tous, donc à la fois avec la mise à disposition des outils numériques, mais aussi former à l'utilisation de ces outils, parce qu'il ne s'agit pas juste de mettre à disposition les outils, mais il faut former à l'utilisation de ces outils. Comment est-ce qu'on peut aussi travailler, on l'a vu dans un des exemples que partageait Karine Babul, à réguler la multiplicité des outils au sein d'un même service ou de plusieurs services pour simplifier le travail pour toutes et tous. Sur ce même sujet, comment est-ce qu'on peut assurer une variété des lieux de télétravail, donc à la fois sur site, comment est-ce qu'on peut adapter encore plus le lieu de travail aux besoins des équipes, et quand on est hors site, donc à domicile ou dans des tiers-lieux comme on a pu le voir, les penser vraiment comme des alternatives et vraiment les construire, les imaginer pour qu'ils répondent aux besoins des travailleurs et des travailleuses. Pour donc une 8e préconisation qui est de rechercher des équilibres en termes de charge et de temps de travail, donc là aussi prendre en compte la question de la déconnexion, donc voir de quelle manière on peut instaurer un droit à la déconnexion et le respecter, et aussi prendre en compte les enjeux d'autonomie de chacune et de chacun pour voir comment chaque personne s'organise dans son travail et peut-être éventuellement réfléchir à des plages de travail différenciées en fonction de chacune et de chacun. On l'a dit tout à l'heure, la nécessité d'accompagner le management et comment est-ce qu'on peut former les équipes en situation de management à faire ce management à distance qui va intégrer la rationalisation des outils, les enjeux de déconnexion notamment. Et enfin, autour de ces préconisations, la 10e, comment est-ce qu'on peut soutenir les collectifs et l'inclusion de toutes et tous, donc pour prévenir l'isolement, mais aussi soutenir l'inclusion des femmes en situation de handicap en télétravail. Les 3 dernières... Si j'arrive à passer. Les 3 dernières donc, sont à un niveau plus interprofessionnel. Donc 3 dernières préconisations qui font écho à déjà des préconisations qu'on a pu voir à l'échelle de l'organisation. Mais comment est-ce qu'on peut systématiser l'articulation des enjeux relatifs au genre et des situations de télétravail dans la production de données? Et là, on a pu le voir en ouverture de la table ronde, le gros manque de données. Donc comment est-ce qu'on peut travailler à l'étude au développement d'études qualitatives et quantitatives objectivantes pour là aussi faire ressortir leviers et contraintes pour chacune et chacun sur le télétravail. Une préconisation autour de l'encouragement d'accords ou de plans d'action de branche pour un télétravail égalitaire et comment est-ce qu'on peut accompagner à faire travailler collectivement sur ces sujets, donc les directions, les salariés, les représentants des salariés, les représentants syndicaux, pour
produire des accords et plans d'action qui répondent au mieux aux besoins de chacune et de chacun. Et enfin, une dernière préconisation pour réfléchir à la possibilité d'instaurer des incitations financières pour renforcer les bonnes conditions de télétravail, donc avec une possibilité de réfléchir à un chèque télétravail sur le mode du ticket restaurant pour accompagner et soutenir les organisations dans les services qu'elles vont proposer aux équipes, ou soutenir les collectivités dans la création de tiers-lieux pour les agents, les agentes, mais aussi pour les habitants, les habitantes à l'échelle du territoire et les acteurs, actrices, donc associations du territoire qui pourraient investir ces espaces-là et aussi réfléchir, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, à ces tiers-lieux comme des possibilités d'espaces de répit pour les femmes victimes de violences conjugales qui souhaitent quand même télétravailler. Voilà très rapidement pour les préconisations qui sont au cœur du rapport. Vous les retrouverez dans le rapport et dans la synthèse, plus développées, et elles vont continuer à être nourries par notamment la seconde table ronde à qui je vais laisser la place. Merci beaucoup. Je vous invite à toutes nous rejoindre pour cette seconde table ronde donc, qui porte sur les conditions pour un télétravail porteur d'égalité. Alors, l'un des objectifs de cette étude, on l'a vu, a été notamment d'interroger l'automatisme selon lequel le télétravail serait par nature un levier pour l'égalité professionnelle qui garantirait nécessairement une articulation des temps de vie égalitaire entre les femmes et les hommes salariés. Alors, il est primordial d'adopter une approche intégrée de l'égalité femmes-hommes dans l'ensemble des politiques des ressources humaines et dans le déploiement du télétravail, c'est-à-dire de vérifier que les politiques des ressources humaines contribuent bien à neutraliser notamment les biais de genre et à supprimer les inégalités femmes-hommes. C'est le sens pour les collectivités et la fonction publique, les trois fonctions publiques de la loi de transformation de la fonction publique qui a instauré l'obligation de mettre en œuvre un plan d'action triennal sur l'égalité professionnelle. Le timing est plutôt bon, puisque du coup, les collectivités donc, se sont mises à élaborer ce plan d'action et sont aussi en train de déployer le télétravail. Pour certaines, c'est très récent. Donc, pour cette seconde table ronde, on a choisi de visibiliser ces conditions de réussite qui vont favoriser une équation vertueuse entre télétravail et égalité professionnelle. On va donc s'appuyer sur des retours d'employeurs à la fois du secteur, du secteur public et privé, qui sont aussi situés sur des territoires différents, à la fois petite couronne, mais aussi territoire semi-rural, rural pour la Seine-et-Marne. Alors donc nous accueillons pour cela donc nos trois retours d'expérience. Donc Fabienne Scholl, vous êtes directrice générale adjointe ressources humaines. Vous avez notamment piloté à la région Île-de-France l'obtention du label AFNOR égalité professionnelle en 2020. Maude Gauthier, vous êtes responsable de la mission relations sociales à la direction des ressources humaines à la ville de Montreuil. Vous êtes en charge à la fois du dialogue social et de l'égalité professionnelle. Et vous collaborez avec Eva Maginot, qui est chargée de mission droits des femmes. Donc une collaboration fructueuse sur ces questions. Et puis Martina Grund, vous exercez dans le conseil et l'accompagnement sur des questions de parentalité et vous représentez l'association Dirigeante Active 77. Donc on reviendra avec vous sur le sens de ce réseau de femmes chefs d'entreprise qui a été fondé il y a 10 ans en Seine-et-Marne. Alors, je vais poser la première question à Fabienne Scholl. Donc la région Île-de-France, nous allons revenir avec vous sur le contexte de déploiement du télétravail à la région qui est intervenu avant la crise sanitaire, donc dès 2018. Qu'est-ce qui, selon vous, a permis de développer un télétravail porteur d'égalité? Et justement, comment ça, vous avez pu anticiper, mesurer, pallier les effets inégalitaires de la crise sur le télétravail auprès des agentes femmes, notamment? Bonjour, merci de m'accueillir ici. Bonjour à tous et toutes. Alors oui, à la région Île-de-France, nous avons mis en place le télétravail dès 2018. En fait, on a fait coïncider le déploiement du télétravail à l'ensemble des agents du siège de la région avec l'emménagement ici à Saint-Ouen. Et notre objectif, c'était d'avoir un télétravail parfaitement déployé, égalitaire, c'est-à-dire déployé autant auprès des agents que des agentes,
et le plus rapidement possible. On avait un objectif d'atteindre 80% des effectifs avec des missions télétravaillables qui puissent pratiquer le télétravail pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le télétravail, c'est potentiellement moins de CO2 dispensé, puisque moins de trajets. C'est donc du temps récupéré sur la vie personnelle. Et puis, c'est aussi... alors, il y a un facteur de santé hein, très net, puisqu'on récupère en moyenne une heure de sommeil quand on télétravaille. Et puis, du coup, on est moins fatigué et du coup, on est moins malade. Et puis, quand on est un peu fatigué, on peut demander à avoir un jour de télétravail déplacé, le cas échéant, ce qui fait que on récupère beaucoup plus vite et on ne dispense pas ces microbes tout autour de soi. Donc il y a un vrai facteur santé dans le télétravail. Et puis c'est aussi potentiellement une meilleure productivité. Il ne faut pas avoir peur de le dire des agents, parce que tout simplement on retrouve le contrôle de son agenda. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des journées et des activités parfaitement morcelées, eh bien on est obligé, quand on pratique le télétravail, de se poser la question comment est-ce que je vais organiser ma semaine et donc quelles activités est-ce que je vais réserver au moment où je suis seule chez moi en télétravail et qu'est-ce que je vais privilégier pour les moments où je suis au bureau. Donc voilà pourquoi nous avions l'ambition de vraiment généraliser le télétravail dès 2018 et nous avons mis un an entier à le préparer. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu redéfinir toutes les missions qui étaient télétravaillables sur chaque fiche de poste, coter tout cela pour essayer d'avoir une assiette la plus large possible des missions télétravaillables. On est allé jusqu'à proposer à des agents qui, typiquement, n'étaient pas les premières à penser qu'elles pouvaient télétravailler, c'est les agents d'accueil. Je dis première re parce que malheureusement, ce métier-là n'est pas encore très mixte. Mais nous avons proposé donc aux agents d'accueil de changer de fiche de poste et de pouvoir réaliser moitié des missions de standard téléphonique et moitié des missions d'agents d'accueil. En fait, cette proposition a eu très peu d'écho parce qu'il se trouve que quand on veut être agent d'accueil, eh bien c'est qu'on aime le contact physique. Et quand on veut être standardiste, c'est qu'on aime le contact au téléphone. Néanmoins, c'est une possibilité. Et chaque agent qui rentre à la collectivité sur l'un ou l'autre des métiers peut choisir cette hybridation, ce qui permet d'avoir des missions télétravaillables, celles du standard, évidemment. À partir de cette cotation des postes, on a aussi travaillé donc, pendant l'année préparatoire à former l'ensemble des agents parce qu'on considérait qu'on ne devait pas plonger comme ça d'un coup dans le grand bain du télétravail. Et on s'est aperçu évidemment pendant la crise que malheureusement la plupart des entreprises qui étaient obligées de mettre en place le télétravail de façon urgente et forcée eh bien, avaient pâti de cela, de ne pas avoir pu former, préparer les agents à télétravailler. Pourquoi se former ? Eh bien, parce que, je le disais, il faut reprendre le contrôle de son agenda. Il faut se préparer à la fois ne pas harceler son manager quand on a un N+1, parce que le premier sentiment, c'est de penser que le manager a un doute sur le fait qu'on travaille vraiment quand on est en journée de télétravail. Et puis pour le manager, c'est à l'inverse, ne pas trop demander, prendre du recul, etc. Et puis, pendant cette année de préparation, surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé tous les managers à manager différemment. On était encore dans une culture où le manager considérait qu'une grosse partie de sa tâche, c'était de vérifier qu'il avait bien sous ses yeux l'ensemble de son équipe avec ordinateur allumé à 9h. Je caricature un petit peu. Mais voilà, il y avait encore un petit peu de ça. Et on a dû vraiment obliger tous les managers à changer complètement de paradigme, à changer leur vision de la mission de management. Et donc, on est passé d'un management de contrôle à un management d'accompagnement. Et ce n'était pas facile, hein, parce que
voilà, tout, c'est un changement de culture assez radical et imposer donc aux managers d'être en appui, d'être simplement là pour apporter à toute son équipe les moyens d'atteindre les objectifs et non pas de contrôler trois fois par jour le travail effectué, eh bien ça aussi, ça s'apprend. Et c'est pour ça donc qu'on a mis une année entière à le préparer. Résultat des courses, en 2018, on était déjà à peu près à 75% des agents qui avaient des missions télétravaillables à pratiquer le télétravail. Et on avait une certaine surreprésentativité des femmes, mais simplement de 2 ou 3%, donc rien de très grave. On avait été évidemment extrêmement clair dès le départ, télétravail, c'est incompatible avec la garde d'enfants. Et pour aider les femmes à bien faire la distinction, et les hommes d'ailleurs également, et en particulier les parents de jeunes enfants qui parfois ont des gardes partagées, donc se retrouvent avec des enfants à domicile une semaine sur deux, et bien dès le départ, on avait laissé la possibilité à tous les agents qui le souhaitaient d'utiliser des tiers-lieux financés à 100% par l'employeur. Et cette politique de tiers-lieux, pour moi, est vraiment une politique d'avenir. Alors, c'est peu utilisé. Au niveau national, on se rend compte que les tiers-lieux sont utilisés par seulement 10% des télétravailleurs et dans notre collectivité, à la région, ce n'est pas beaucoup plus. Néanmoins, en tant qu'employeur et au fur et à mesure que nous pratiquons le télétravail, je considère que finalement les tiers-lieux sont la meilleure façon de garantir à la fois une bonne qualité de travail et donc une bonne prévention, c'est-à-dire que nous conventionnons avec des tiers-lieux et donc je peux en tant qu'employeur vérifier qu'il y a la bonne qualité de lumière, la bonne table, le bon fauteuil, le bon écran, etc. Et donc, c'est une vraie préoccupation que les qualités de travail en télétravail soient aussi bonnes qu'au bureau. Donc, le tiers-lieu est une bonne réponse à cela. Et puis, le tiers-lieu, évidemment, est une très bonne réponse aussi pour les parents qui ont des enfants à la maison. C'est aussi une bonne réponse à la distinction, à la coupure entre vie professionnelle et vie personnelle. On s'est rendu compte à l'occasion de la crise, quand le télétravail était forcé, qu'il n'y avait plus de distinction et ça a été un vrai fardeau. On a parlé de charge mentale, etc. Mais c'était extrêmement prégnant et on s'en est rendu compte au retour au bureau que les agents avaient énormément de mal à faire la coupure. Vous savez, quand on arrive au bureau, grosso modo, on pose ses valises, c'est-à-dire que tous les soucis, enfants, finances, conjoints, etc., on les laisse à la porte. Et puis, de la même façon, quand on rentre chez soi, en général, on pose les soucis du bureau, le manager, l'objectif qu'on n'arrive pas à atteindre, etc., pour se mettre dans l'état d'esprit vie privée. Et cette absence de distinction qu'on a éprouvée pendant la crise où le télétravail était forcé, eh bien, c'est un risque qui demeure, bien sûr, avec le télétravail absolument tout le temps. Et donc, le tiers-lieu est un bon moyen pour faire le sas entre la vie privée et la vie professionnelle. Voilà. Et alors, on pourra continuer, je ne veux pas monopoliser trop la parole, mais ce télétravail-là qui est choisi, qui permet l'hybridation, qui permet la différence des temps, est beaucoup plus générateur d'égalité, évidemment, que le télétravail forcé en temps de crise où on n'a tout simplement pas le choix. Voilà. Merci beaucoup. On reviendra aussi sur les conditions matérielles que vous avez mis à disposition, notamment les outils numériques. Je me tourne vers la ville de Montreuil, donc Eva Maginot et Maude Gauthier. Donc, vous avez une expérience plus récente du télétravail. Vous êtes dotée d'un plan d'action égalité professionnelle en 2020. Du coup, comment ce déploiement récent du télétravail a été pensé au prisme de l'égalité et quelles leçons vous avez tirées des premières expérimentations du télétravail
pendant la crise, voilà, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place à l'issue de ces premiers moments? Du coup, bah, merci aussi également pour l'invitation. C'est vrai que nous, le télétravail, au début, on l'avait envisagé dans le cadre du plan égalité comme un levier pour réduire le recours au temps partiel, parce qu'à Montreuil, on a 86% des personnes qui recourent au temps partiel qui sont des femmes. On avait également un chiffre qui était de 80% des ASA garde d'enfants qui étaient aussi mobilisés par des femmes. Donc c'est vrai que la question de la répartition était clairement affichée à Montreuil. Et c'est vrai qu'on se disait que le télétravail pouvait être un levier de réduction à ce niveau-là. On avait une expérimentation plutôt vertueuse, mais elle était vraiment à 3 mois de la crise sanitaire, avec des dispositifs de formation pour bien voilà, poser les choses et les conditions de réussite du télétravail. Je vous dirais que la crise sanitaire, elle a fait vraiment exploser le recours au télétravail, et s'en est posée une autre difficulté, cette histoire de conciliation de vie personnelle et vie professionnelle, où dans le cadre à nouveau des formations qu'on avait pu développer, obligatoire pour les télétravailleurs ou même les encadrants. Très rapidement, on a pu observer en formation que les collègues faisaient des journées tunnels et continues, et qu'on avait un vrai enjeu, nous, à la DRH, d'accompagner ce télétravail pour ne pas développer de risques psychosociaux, de surcharge de travail. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a le plan égalité professionnelle, et on a aussi un cadre législatif qui est favorable pour les parents et les coparents, avec l'allongement du congé coparent. On avait un règlement intérieur qui était obsolète sur les droits des parents, donc on a voulu se saisir de ces différents éléments pour construire un guide à destination des futurs parents, qui récapitule tous les droits que vous pouvez avoir en tant que parent et lister l'ensemble de ces droits. Et l'opportunité de ce guide, c'est de pouvoir, si vous voulez, outiller nos encadrants à manager des parents ou des futurs parents avec cette contrainte familiale et ces conciliations vie perso, vie pro, et que vous puissiez assez librement indiquer vos contraintes personnelles sans que ce soit un climat de défiance quand vous devez emmener votre enfant chez le dentiste, voilà, que ça fasse un petit peu partie du comportement, on va dire, vertueux managérial, et qui est aussi, on l'espère, par le biais de formation à terme, des entretiens, vous devenez parent, les réunions tardives, comment ça se passe, que vous soyez un homme ou une femme, que ce sujet soit intégré, si vous voulez, à la pratique managériale. Et bon, merci aussi pour l'invitation, mais je pense qu'on parlait toutes les deux au nom de la ville. Et du coup, comme disait Maud, en effet, le contexte sanitaire a fait qu'on a très vite vu des mauvaises pratiques se développer. Là, aujourd'hui, on n'est plus dans la phase d'expérimentation. On considère que quand même, la plupart des agents et agentes qui voulaient bénéficier du télétravail ont pu tester, en tout cas dans certaines modalités assez contrainte, le télétravail, et on est dans la deuxième phase, donc avec des modalités un peu plus souples. Je vais peut-être pas aller trop dans le détail, mais il y a au moins un jour fixe, on a des forfaits avec des jours flottants, ce qui permet d'être un peu plus s'adapter en tout cas aux emplois du temps, et aussi faire en sorte que les agents eux-mêmes adaptent leur emploi du temps en fonction du jour qu'ils auront décidé dans la semaine. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte, là, aujourd'hui, on est dans des situations un peu hybrides, avec des réunions présentielles, des réunions en visio, etc. Et les jours flottants permettent aussi d'anticiper d'un mois sur l'autre, ou d'une ou deux semaines sur l'autre, selon le choix des équipes, sur l'organisation du travail. Ce qui permet évidemment de garder un collectif de travail stabilisé. Il y a eu des exigences aussi de réunions d'équipe pour que le télétravail soit organisé au sein des services ou des directions, pour éviter de subir aussi le télétravail des collègues. Hein, quand on a des collègues qui choisissaient certains jours, et du coup, ça pénalisait certains autres, etc. Parce que on a des équipements de proximité avec des obligations d'ouverture au public, et du coup,
des obligations relatives au nombre de personnes présentes pour pouvoir ouvrir au public en toute sécurité. Ça a également permis de réfléchir, comme ça avait été présenté dans la table ronde précédente, aux tâches télétravaillables. En effet, ce n'est plus des métiers télétravaillables, mais des tâches ou des missions. Il y a des périodes, par exemple, où on sait qu'on a des agents et agentes qui ont besoin de rédiger des rapports, des délibérations, en tout cas beaucoup d'actes administratifs. Et ce sont des périodes où, typiquement, on aura besoin de beaucoup plus de télétravail, alors que d'autres où, à l'échelle d'une collectivité, on est dans des temps événementiels, des temps d'action sur le terrain, etc. Là, ce sera plus possible, d'où, par exemple, l'idée des jours flottants. Enfin, on les a appelés comme ça, mais voilà. Du coup, ça a permis aussi, en effet, à des secteurs très féminisés, comme les agents et agentes d'accueil, qui ont certes des tâches d'accueil, mais aussi parfois des tâches de saisie informatique. Ça s'est posé, par exemple, pour les services d'état civil, qui reçoivent beaucoup de public, mais ils ont réussi à dégager, en général, une journée complète où c'est de la saisie de données sur ordinateur. Et là, clairement, on constate que c'est quand même beaucoup plus confortable d'être dans un environnement calme que avec les box des collègues qui reçoivent le public pour faire cette saisie, être bien concentré sur sa tâche, ne pas être interrompu par tout aussi ce qui est lors de l'impondérable, d'une collectivité qui reçoit du public avec un nombre d'habitants conséquent qui peut venir pour demander des renseignements. La question, on se pose quand même vraiment toujours sur les équipements de proximité. Je pense que s'il y a des collectivités aussi dans la salle, on est ravis d'avoir votre retour parce que qui dit équipement de proximité dit... un incendie quelque part qu'il va falloir gérer, une situation de crise, etc. En tout cas, là, aujourd'hui, la ville de Montreuil a décidé de faire aussi un peu du cas par service, de justement avoir un cadre fixe qui existe, mais de laisser aussi aux encadrants des temps de discussion en interne pour que ça puisse coller aux besoins du territoire. Je pense qu'on... Merci. Alors, je me tourne vers Martina Goun. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les missions et les actions du réseau Dirigeantes Actives 77 et puis quel regard votre réseau porte sur le télétravail, dont certaines ont une expérience de très longue durée en tant qu'indépendante, notamment sur un territoire aussi rural. Déjà, merci pour l'invitation. Et donc, pour commencer, c'est une association qui existe depuis 10 ans, donc une association de la loi 1901. Et dont les objectifs sont les suivants, donc tisser des passerelles pour qu'on puisse générer la collaboration entre les différents chefs d'entreprise, donc femmes, hein, et ensuite initier l'échange autour de déjeuner, de dîner, de repas et de sorties, pour que les femmes puissent vraiment se stimuler, s'encourager mutuellement, participer ensemble peut-être à des manifestations, et aussi assembler les diverses compétences, pouvoir ensemble mener des actions en commun. Alors, pour vous dire un peu donc comment c'est venu, que cette association a vu le jour, au début, c'était qu'elles ont fait parfois des réunions autour des thèmes, et finalement, elles se sont aperçues qu'entre femmes, elles avaient plus de liberté pour parler de certaines difficultés, en l'occurrence par rapport à leur place, par rapport à leur relation avec leurs enfants, leurs difficultés d'organisation à la maison. Et en même temps, elles ont pu partager des expériences positives et se réunir pour gagner de la visibilité. Elles ont fait ça au début de façon informelle. Et c'est comme ça qu'après, elles ont décidé de créer cette instance, donc cette association des femmes, donc un réseau, qui peut leur permettre donc de faire aussi des colloques ensemble, de faire des réunions à thème, donc ça elles ont continué, et en même temps de créer des espaces qui permettent vraiment l'écoute pour des femmes en difficulté dans leur milieu professionnel, en tant que cadre ou en tant que personne donc indépendante, auto-entrepreneuse, etc. Donc, elles ont aussi créé d'autres temps d'échange. Donc, deux salons, Business Women, Actif, Dev, avec des intervenants extérieurs.
Et il se trouve qu'il y a des femmes de divers domaines. Je vais vous présenter un peu les différents profils. Donc, il y a des femmes qui travaillent dans le coaching, des femmes qui travaillent dans le commerce, qui ont donc créé elles-mêmes, par exemple, des entreprises dans l'événementiel, dans la communication, dans le bien-être, l'informatique, le service à la personne, la gestion, le commerce de proximité et les services divers aux autres entreprises ou aux particuliers. Du coup, comme elles étaient vraiment avec des profils très divers, ça pouvait être complémentaire et elles pouvaient réellement envisager certaines collaborations. Elles sont restées toutes jusqu'à aujourd'hui indépendantes. Et donc moi aussi, j'en fais partie depuis très peu. Du coup, la directrice, elle ne pouvait pas se rendre présente aujourd'hui et elle nous a donné son témoignage pour que je puisse le partager avec vous parce qu'elle avait déjà eu recours, à l'époque, ça ne s'appelait pas le télétravail, c'était le travail à domicile. Et c'était en fait, en tant que commerciale, qu'elle faisait déjà beaucoup d'actions, beaucoup de tâches à domicile, à distance de son entreprise. Donc, elle allait à l'entreprise que 2-3 fois dans l'année. Et elle, pendant 20 ans, donc bien avant la crise récente, sanitaire, elle a pu travailler à domicile. Elle s'est installée dans un espace de travail et elle a pu faire toutes ses prises de rendez-vous, toutes ses écritures de rapports. Et bien sûr aussi, après tout ce qui était en lien avec des commandes, elle a pu les faire à domicile. Elle y a trouvé déjà un grand intérêt, alors que ce n'était pas ni à la mode ni reconnu, on va dire, nationalement. Mais du coup, elle nous a un peu décrit les avantages qu'elle y avait trouvés dès le début. Tout d'abord, cette liberté de pouvoir organiser son quotidien. Elle avait des petits-enfants à ce moment-là, donc elle a pu les déposer à l'école, les récupérer à 16h30. Et en même temps, elle a pu, pour tous les rendez-vous, s'arranger. Donc, être son propre patron, c'est réellement une facilité dans l'organisation pour prendre rendez-vous avec ses clients au moment où ça l'arrange. Elle a pu aussi nous partager le fait que même quand les enfants étaient récupérés à 16h30, elle pouvait d'abord s'occuper d'eux. Elle pouvait d'abord déplacer ses activités, des tâches, elle pouvait les faire parfois le soir ou le matin très tôt, et elle pouvait se réorganiser dans toutes ses tâches. Après, il faut dire que dans l'association, qui comporte une cinquantaine d'adhérents, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont pu travailler à domicile déjà avant la crise sanitaire. Donc, on n'a pas de remontée à ce niveau-là. Il n'y a pas eu des expériences particulières qu'on a pu rassembler, même en vue de cette rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela ? Non, on pourra revenir aussi dans le temps d'échange. Je vais me tourner vers Fabienne Scholl pour revenir justement sur les conditions matérielles que vous avez mises en place pour garantir un télétravail égalitaire, notamment la démocratisation de certains outils numériques. Je sais que vous avez élaboré un guide justement sur ces différents outils, comment garantir justement un collectif de travail où la parole circule aussi. Cette question, on en a parlé la première table ronde. Est-ce que vous avez constaté que les femmes pouvaient moins prendre la parole sur les outils à distance et comment vous avez pallié ces difficultés? Alors oui, nous on était très attachés à ce que le télétravail soit mis en place pour tout le monde au même moment. On avait fait des petits benchmarks de ce qui existait dans d'autres collectivités territoriales en 2017 en termes de télétravail, et on s'était rendu compte qu'il y avait un élément technique qui était extrêmement bloquant, et que typiquement quand il fallait être sur une liste d'attente pour avoir un ordinateur portable et que c'était l'ordinateur portable qui permettait de télétravailler, eh bien c'était évidemment un frein. Et donc on s'est évidemment servi du levier du déménagement, où on avait besoin d'investir dans des équipements tout neufs, pour décider que tout le monde, quel que soit le grade, quelle que soit la position, quel que soit le métier, serait doté d'un ordinateur portable avec téléphone sur l'ordinateur, donc un casque,
et puis une sacoche, etc. Ça paraît totalement anodin et normal maintenant, mais à l'époque, on a dû batailler parce que certains agents refusaient d'avoir un ordinateur portable et considéraient qu'un ordinateur fixe, c'était préférable. Et il y avait peut-être un peu le fantasme de si j'ai un ordinateur portable, on va me forcer à prendre mon ordinateur chez moi et on me demandera de faire des heures supplémentaires de chez moi, etc. Ce qui n'était pas le cas, c'était juste la possibilité, si on le choisissait, de pouvoir télétravailler grâce à cet équipement-là. Bien sûr, on a édité des guides pour pouvoir s'assurer que tout le monde prenait en main cette nouvelle pratique de travail avec les mêmes outils et les mêmes réflexes. Et la question de l'invisibilisation, finalement, de certains à cause du télétravail, c'est sans doute une question genrée, mais c'est une question plus large que cela. On se rend bien compte que dans certaines réunions à distance, certains prennent la parole, d'autres moins. Certains communiquent, on le remarque en présence également, de manière différente. Lorsque vous êtes en réunion, dans une salle de réunion, en fait, on ne se rend pas compte, mais certains s'expriment de façon non verbale. Et quand on a l'habitude, on n'a pas besoin de le formaliser intellectuellement, mais on communique donc avec chacun différemment. Quand tout le monde est à distance, eh bien c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a qu'un cinquième du corps comme référence. Et donc certains peuvent ne pas prendre la parole pour des raisons qui ne sont pas simplement qu'il n'y a rien de pertinent à ajouter au sujet du jour. Donc ce sujet-là est absolument fondamental. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'estime que le télétravail doit être limité. Et c'est pour ça que, bien qu'on ait eu une demande pour augmenter la quote-part de télétravail sur la semaine, pour augmenter à 3 jours par semaine, nous avons à la région limité à 2 jours fixes par semaine et simplement ajouté une certaine souplesse avec une vingtaine de jours flottants dans l'année, mais donc qui ne sont pas pré-inscrits dans les agendas un an à l'avance. Voilà, parce que j'estime que le travail en présentiel est absolument fondamental, parce que sinon on a vraiment un risque de perdre de vue certains... Alors, risque d'isolement, risque de perte de vue, et puis risque de non-identification de problèmes qui apparaissent et qui peuvent être résolus quand on les identifie immédiatement. Je m'explique, vous avez une réunion, une personne qui manifeste de façon corporelle un certain désaccord avec un sujet. Ça peut être simplement on se tourne, on ne lève pas la tête, on a le menton dans la poitrine, etc. Vous identifiez cela très 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 facilement quand vous êtes en présence et à l'issue de la réunion, vous pouvez aller voir la personne en disant il y a un sujet, est-ce qu'on peut en parler, etc. Et vous voyez tout de suite, et la personne en question voit que son mal-être a été perçu. Donc ça peut déjà être une réponse et elle se sent reconnue et elle a du coup les moyens de surmonter ce problème passager. Ou alors, vous êtes en capacité de l'orienter vers les personnes qui peuvent l'aider si le problème est plus profond, etc. À distance, ça, vous le perdez complètement et vous avez donc un vrai risque que certaines personnes s'enfoncent dans des problèmes avant d'avoir pu vraiment y trouver une solution avec elles. Voilà. Donc, le télétravail, à mon sens, bien que je sois une convaincue, acharnée des bienfaits du télétravail, ça ne peut être que limité et pas à 100% certainement. Et pour moi, le bon équilibre, c'est 2 jours de télétravail par semaine et 3 jours de présentiel parce que cette communication non verbale est absolument essentielle, notamment pour maintenir, pour vérifier que tout le monde est dans des bonnes conditions mentales et de santé. Merci. Alors Eva Maginot et Maude Gauthier, est-ce que vous pouvez nous parler des actions relatives au droit à la déconnexion qui sont
essentiel pour garantir un télétravail porteur d'égalité. Et en quoi elles peuvent être aussi ce droit à la déconnexion, il est important aussi notamment pour les femmes cadres. On l'a vu notamment dans l'étude de l'UGCGT que vous parliez d'un tunnel, la reconnexion après la deuxième journée de travail domestique, elle est un peu sans fin. Du coup, le droit à la déconnexion, on l'a abordé dans le cadre de la mise en œuvre pérenne du télétravail en novembre dernier. Alors, ça va reprendre des éléments qu'on a déjà entendus précédemment, notamment dans les préconisations, l'enjeu de prévention, de privilégier les temps de repos, organisationnel au niveau de votre charge de travail, de santé et bien sûr le prisme l'égalité professionnelle sur l'articulation vie pro et vie personnelle. On a travaillé ça avec un collectif d'encadrants de différents niveaux, chefs de service et de directeurs, en posant la question de la déconnexion. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce cheminement collectif parce que je vous dirais que les affiches, on les a tous sur les 5-6 règles d'or du droit à la déconnexion, mais c'était plutôt intéressant d'avoir ce cheminement de brainstorming sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique pour moi, la déconnexion. Et c'est vrai que du coup, on a pu avoir des cadres qui prennent conscience, parce qu'ils pouvaient être très pro-télétravail à 3 jours par semaine au début, parce que c'était super et qu'on a réussi, et puis que je fais mon footing le matin. Quoi. J'ai des trucs sympas, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais qui pouvaient voir ça d'une manière très positive. Et quand on l'éprouve un peu, il y a d'autres aspects un peu plus pernicieux. Et je vous dirais que c'est plutôt ça où c'est ressorti. Et ce qui est ressorti, par exemple, c'était cette explosion de l'usage du mail. Si tous les cadres vous le diront, c'est je suis en réunion toute la journée et le soir. Et si j'ai des enfants tard le soir, je traite mes mails. Donc il y a vraiment ce questionnement aujourd'hui sur le volume des mails reçus et de l'objet, du contenu. Donc on est vraiment en train de voir de lister un peu cette bonne pratique et comment on peut revoir un peu, avoir comme une charte, si vous voulez, autour du sujet. Faire des réunions efficaces. Ça nous parle à tous, je pense. Avec un objet, un ordre du jour, des gens qui ont préparé la réunion avant d'arriver et pas... on prépare la réunion et on se dit qu'à la fin, on en fera une autre pour traiter des questions qui auraient dû être traitées au moment de la réunion. Donc là, ça s'accompagne aussi d'un dispositif de formation. On a une direction de la modernisation de l'organisation qui nous propose des sessions de formation sur des réunions efficaces. Donc ça, je crois que ça passe bientôt en collectif des encadrants. Ça a été aussi évoqué, tout ce qui était outil numérique, collaboratif. Donc là aussi, également, harmoniser un peu nos pratiques sur ces sujets-là, parce qu'on a... Il y en a certains qui sont mis à Trello, d'autres pas. On a des niveaux différents d'appréhension du cloud. Le cloud, je pense que ça fait hurler plein de gens pendant le confinement et même après sur la maîtrise de l'outil ou même de Zoom. Donc là, c'est vrai que Zoom, je pense qu'on a tous éprouvé le sujet, mais qu'on ait vraiment une meilleure... merci, décidément. Du sujet... Et pour finir, ça rejoint ce que je disais au début sur la notion d'urgence. Je vous dirais que c'est très pratique d'avoir le téléphone, le smartphone, l'ordi et tout. Mais nous, on a des procédures, notamment d'urgence pour le soir avec des directeurs d'astreinte. Et le déploiement du numérique fait que même si vous n'êtes pas d'astreinte, vous êtes appelé par un élu, vous êtes mobilisé sur le fameux incendie dont parlait Eva. Donc... je dirais que j'ai plutôt rencontré des directeurs nostalgiques sur la bonne maîtrise des procédures d'urgence. Si on s'y remettait un peu à faire comme on faisait avant et être un peu plus cadré sur la méthode et pas, on arrose tout le monde se déplace, tout le monde est au courant, tout le monde donne un avis. Et au final, ça fait perdre plus de temps qu'autre chose sur le sujet. Et j'en profite parce qu'on a fait une petite aparté avec notre collègue qui est en charge du télétravail. Intégré dans notre charte qui est en cours de rédaction un peu ces enjeux d'égalité professionnelle également.
et tu conclus sur la formation. Et on voulait aussi ajouter à ça un vrai temps de formation du coup obligatoire pour déjà toutes les personnes qui s'inscrivent dans la démarche de télétravail et aussi proposer à l'ensemble de nos agents et agentes une session sur justement les risques relatifs aux inégalités de genre et télétravail qui devait se faire pour le mois de mars. Bon, on a eu d'autres choses prévues et du coup ça sera dans le courant de l'année. Oui, je voulais, en effet, tu l'as un peu évoqué, mais la question des protocoles d'urgence, je trouve, enfin, se pose vraiment, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Il peut y avoir des cas de force majeure, en effet, mais ce qu'on dit souvent, c'est qu'on n'est pas des chirurgiens cardiaques. À part certains cas bien spécifiques qui sont listés en général par les collectivités dans les protocoles qui existent déjà, tous les protocoles d'astreinte. Qu'est-ce qui nécessite qu'on réponde urgemment à 22h30 après une journée complète ? Je trouve que voilà, ça, c'est une question qui doit être posée et en général, la réponse, on l'a toutes et tous et ça répond aussi à qu'est-ce qu'on veut comme mode de management en 2022 après 2 ans un peu particuliers. Merci. Alors, Fabienne Scholl, je crois que vous avez aussi mis en place quelques mesures un peu d'urgence pendant la crise sanitaire au vu notamment de l'impact de la crise sur la charge mentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Ça peut être aussi des bonnes pratiques à mettre en œuvre sur le bien-être au travail. Oui, alors quand on est passé du jour au lendemain au télétravail à 100%, alors nous, on avait eu un petit entraînement parce que pendant la grève des transports, on avait déjà permis aux agents d'être à 100% en télétravail. Donc, ce n'était pas une difficulté. Néanmoins, on s'est tout de suite remis en mode... tous les managers se parlaient au téléphone avec un rendez-vous hebdomadaire. Donc, c'était le lundi de 14h à 15h. Et cette réunion, du coup, a perduré. On la tient toujours. C'est à la demande des managers. Donc ça permettait d'avoir un échange transversal avec vraiment tous les managers de la collectivité une fois par semaine pendant 1 heure. Et on pouvait à la fois aborder des sujets opérationnels et des sujets, bien sûr, ressources humaines, santé des agents, etc. On a énormément accompagné nos managers au management à distance à 100%. Et donc on a édité un guide de bonnes pratiques avec plein de trucs et astuces et des pratiques et des process, etc. Et on en a fait aussi d'ailleurs des webinars à l'intention de tous les Franciliens et d'ailleurs de tous les Français. Et puis il y avait même des étrangers qui s'étaient connectés. Voilà, c'est parce qu'on s'était dit, mais puisqu'on avait une petite avance sur la pratique du télétravail, autant en faire bénéficier tous ceux qui débarquaient, les pauvres, de plein pied du jour au lendemain. Et puis, au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte que finalement, alors qu'on incitait énormément nos managers à faire attention à ce que personne dans les équipes ne se sente isolé, à ce qu'il y ait un contact au moins quotidien avec chacun, à ce que quand on avait identifié dans une réunion à distance, alors que je viens de dire que c'est très compliqué parce qu'on n'a pas la communication non-verbale, mais que quelqu'un était plus discret, etc., qu'on appelle cette personne au téléphone après. Voilà, vraiment, on avait mis une pression très très forte sur tous nos managers pour que tous les agents se sentent le mieux possible dans cette période. Et on s'est rendu compte que nos managers eux-mêmes avaient une charge mentale extrêmement lourde. Et donc on s'est dit, wow, il faut qu'on lève le pied. Et à partir de ce moment-là, on a instauré des groupes de parole à distance avec le psychologue du travail. Et sous plusieurs formats, donc groupe de parole de manière volontaire, aussi une grille qui a été définie par notre service de prévention d'auto-évaluation de sa propre équipe. Donc c'était une liste d'une vingtaine de questions et chaque manager pouvait répondre facilement, c'est-à-dire c'est dans mon équipe, est-ce que il y a une personne à qui je n'ai pas parlé depuis plusieurs jours, est-ce que j'ai 3 arrêts maladie, est-ce que j'ai, vous voyez, des questions très simples
dont aucune prise individuellement ne peut être un signal d'un mal-être, mais si on a, c'est comme, comme les tests dans les magazines féminins, si on a un grand nombre de réponses d'un certain type, eh bien, c'est qu'il est possible qu'il y ait des problèmes au sein du collectif, et dans ce cas-là, un numéro de téléphone à appeler pour en parler, pour définir si en fait c'est purement conjoncturel et il n'y a pas de problème, ou si au contraire ça valait le coup de travailler plus en profondeur. Et donc le psychologue du travail était aussi là à disposition des collectifs pour organiser des rencontres, etc. Voilà, donc on a mis en place tout un maillage de dispositifs qui étaient à la disposition des managers et puis aussi des agents, avec évidemment en un clic sur l'intranet toutes les adresses de toutes les associations, psychologues, etc. Parce que tout le monde réagit différemment vis-à-vis des problèmes. C'est bon, oui. Nous allons passer à la clôture et à la remise officielle du rapport avec Marie-Pierre Badré, la présidente du Centre Hubertine Auclair. Bien. Madame la déléguée spéciale à l'égalité femmes-hommes à la région Île-de-France, ma chère Charlotte, mesdames et messieurs les conseillers et conseillères régionaux, mesdames et messieurs les représentants et représentantes des collectivités, chers intervenants, intervenants et cher public, merci à toutes et tous de vous être déplacés pour cet après-midi dédié au télétravail, un sujet insuffisamment pensé jusqu'ici, et pour cause, la pratique était minoritaire avant 2020 et surtout peu représentative de la pluralité des catégories socioprofessionnelles ainsi que des particularités territoriales en France. Nul besoin de le rappeler en détail, le télétravail a connu une expansion vertigineuse ces deux dernières années. Pourtant, malgré la banalisation de ce nouveau mode de travail, malgré la médiatisation de ses effets, de ses conséquences et aussi de ses avantages, force est de constater qu'il n'avait jamais été véritablement pensé sous l'angle de l'égalité femmes-hommes. Vous me direz qu'il n'y a rien d'étonnant en cela, et que nous devrions chausser nos lunettes de genre bien plus souvent afin de mieux comprendre notre société, et vous aurez bien raison. Quoi qu'il en soit, l'étude télétravail et égalité femmes-hommes du Centre Hubertine Auclair, que j'ai l'honneur de présider, vient combler cette lacune en soulignant en premier lieu la nécessité de produire des données sur un sujet qui en manque cruellement. Cet après-midi a été riche en enseignements. Je ne me permettrai pas de paraphraser ce que vous savez déjà sur ce sujet. Permettez-moi simplement de préciser brièvement le cadre de cette nouvelle étude du Centre. En mai 2021, nous nous sommes vus confier la réalisation de ce travail par la présidente du Conseil régional, volontariste depuis des années sur le sujet du télétravail au sein des équipes de la région, et vous venez d'entendre, évidemment, la directrice générale des services, Madame Scholl, qui vient de vous en parler. L'objectif est très clair, mesurer son impact sur les inégalités femmes-hommes et produire des recommandations pour un télétravail porteur d'égalité. Remettons-nous dans le contexte. Nous venions de traverser une année inédite, ponctuée de périodes de confinement, et il était rapidement apparu que le télétravail en temps de crise renforçait les stéréotypes présents dans la société en affectant plus durement les femmes. On se rappelle bien sûr de l'épuisement lié à une charge mentale décuplée, l'une des conséquences les plus visibles et largement commentée à l'époque. Fort de cet effet révélateur que la crise soulevait, il est nécessaire de produire une analyse complète au prisme de l'égalité entre les femmes et les hommes, bien au-delà de cette période si particulière que nous venons de vivre. C'est ce que nous avons entrepris avec cette étude, et je veux remercier vivement nos partenaires qui ont travaillé à nos côtés. Cette étude vient souligner les inégalités structurelles qui existent dans le monde professionnel
et propose aussi de transformer ces inconvénients en atouts potentiels. Le télétravail peut en effet avoir des conséquences en matière d'inégalités professionnelles. Vous les avez fort bien documentées tout au long de cet après-midi. Je rappellerai donc seulement deux conséquences emblématiques que l'on trouve dans cette étude. La première, les conséquences sur les carrières. Cela passe par un ensemble de mécanismes subtils qui précèdent largement le télétravail et qui donnent l'impression de minimiser le travail des femmes. Deuxième conséquence, la hausse du cyberharcèlement sexiste et sexuel. C'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis des années. Nous avons été pionnières dans ce domaine au centre et nous ne cessons d'alerter sur ses effets délétères sur la vie psychique des individus et de la société en général. En ce qui concerne le télétravail, la cause de cette progression du cyberharcèlement est à la fois pragmatique et terriblement cynique. La distance désinhibe les harceleurs et leur offre de nouveaux canaux numériques d'agression. Pourtant, malgré ces difficultés, plus de 90% des personnes ayant fait l'expérience du télétravail souhaitent aujourd'hui poursuivre sa pratique. Avec un tel plébiscite, nous devons faire du télétravail un levier pour l'égalité femmes-hommes. Ici encore, vous trouverez dans l'étude des analyses pertinentes menant à de nombreuses pistes d'amélioration potentielle. À nous de les exploiter. Parmi elles, j'ai choisi deux exemples tout aussi emblématiques, notamment dans la fonction publique territoriale. Le télétravail est un vecteur de mixité dans de nombreuses filières et de métiers, grâce à la flexibilité permise par les nouveaux outils numériques. Deuxièmement, le télétravail peut bénéficier à l'insertion professionnelle de toutes les femmes, ainsi qu'à la reconfiguration de l'accès aux postes à responsabilité. Je pense en particulier aux femmes résidant en milieu rural, pour qui les enjeux de mobilité sont considérables. À titre personnel, en tant qu'élue dans un petit village de Seine-et-Marne, je peux témoigner concrètement de l'espoir qu'a fait naître le télétravail sur nos territoires ruraux. Le gain en termes de confort de vie et de temps gagné, notamment dans les métiers, nécessitant des déplacements et des réunions tôt le matin ou tard le soir, est indéniable. Comme souvent en matière d'égalité, la clé réside dans la sensibilisation et l'accompagnement. Les organisations publiques et privées doivent être guidées vers un télétravail soutenable et équitable. Pour cela, il y a besoin de cadres et d'une réelle prise en compte au préalable des inégalités systémiques. Tel est l'objectif de cette étude que je suis heureuse aujourd'hui de remettre officiellement au Conseil régional à travers notre déléguée à l'égalité femmes-hommes. Madame la déléguée spéciale à l'égalité, ma chère Charlotte, j'invite la région à s'emparer des préconisations de cette étude et à diffuser massivement avec nous les bonnes pratiques. Pour conclure, alors que le monde entier est saisi par la brutalité de la situation en Ukraine, nous savons combien les droits des femmes redoutent ces crises. Face à ces multiples menaces, nous avons non seulement le devoir de continuer de défendre, à défendre coûte que coûte ces droits, mais aussi de les améliorer dans chaque domaine, dans l'ensemble des politiques publiques et surtout en faveur de toutes et de tous. Je vous remercie. C'est toujours la dure tâche de passer après Marie-Pierre avec de tels propos et après des débats, les débats que vous avez eus cet après-midi. Madame la Présidente du Centre Hubertine Auclair, ma chère Marie-Pierre, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les élus, chers toutes et tous, il me revient maintenant de clôturer cette conférence passionnante et la Présidente de Région, Valérie Pécresse, ne peut malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui, mais je pense que tout à chacun imagine la raison. Alors avant toute chose, je veux tout d'abord remercier Marie-Pierre Badré, présidente du Centre Hubertine Auclair, ainsi que sa belle équipe, qui ont conduit ces travaux avec le panache et la rigueur que nous leur connaissons et dont nous pouvons tous attester ici.
Marie-Pierre, tu avais carte blanche pour explorer ce sujet qui émerge dans les esprits. Et avec ton équipe, vous avez mené ce projet à bien avec sérieux, tout en faisant l'expérience de mesurer par vous-même ces derniers mois l'impact du télétravail par vous-même. Et je veux ensuite remercier très sincèrement chacun d'entre vous ici présents, et je ne veux oublier personne, puisque vos interventions, vos échanges professionnels et pédagogues nous permettent de mesurer ô combien le télétravail avait ses avantages et à quel point il peut également mener vers de nombreuses inégalités. Grâce à vos débats, vos visions, vos réalisations, nous prenons conscience des inégalités face auxquelles nous devons faire face pour installer le télétravail dans un cadre parfois plus juste, plus respectueux de l'égalité femmes-hommes et permettre à chacun et chacune de poursuivre son émancipation professionnelle, même après cette pandémie de Covid, puisque tout n'est pas fini et tout doit continuer et commencer. Alors, je tenais également à remercier Fabienne Scholl, notre directrice adjointe au RH, dont l'expertise et la réalité quotidienne ont permis de venir enrichir les débats. Et merci à Madame Scholl pour le temps qu'elle nous a accordé. Nous savons que la région Île-de-France fait de son mieux pour être exemplaire en la matière. Et je suis aujourd'hui très fière de la représenter parmi vous, puisque je connais en tout cas son dévouement pour l'ensemble des salariés de notre région. Alors, cette pandémie de Covid-19, elle nous a amené à la mise en place brutale et parfois peu encadrée du télétravail. Face à l'urgence, cette organisation soudaine nous a conduit vers une remise en cause de nos équilibres de vie dans nos propres foyers, et nous l'avons tous vécu. Des inégalités naissantes ont été renforcées et ont créé des charges plus importantes incombées aux femmes. Mais bien que le télétravail puisse être synonyme de plus d'autonomie, nous avons également vu ces derniers mois que les femmes parfois en paient le prix. La fracture numérique plus importante chez les femmes, des journées de travail allongées et un risque plus accru d'hyperconnectivité, voici les mots parfois de ce télétravail. Alors, face à ce constat, notre région doit réfléchir et préparer un plan régional autour des inégalités salariales, comprenant un axe important sur le télétravail. Toutes vos préconisations ne seront peut-être pas reprises, car elles vont au-delà parfois de nos domaines de compétences, mais tous vos témoignages aujourd'hui nous permettront d'enrichir ce plan avec le rapport. Mon collègue Othmane Nasrou, vice-président chargé de la jeunesse, de la promesse républicaine, de l'orientation, de l'insertion professionnelle, mais aussi et surtout de la citoyenneté, s'engage à nos côtés pour cette lutte contre la discrimination, aux côtés des associations franciliennes, et nous accompagnera pour aller plus loin sur ces questions. Alors, notre région a déjà mis en place des actions au sein de ses propres services, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Madame Scholl, et c'est grâce à l'immense travail de nos équipes de ressources humaines que nous avons obtenu le label AFNOR en 2020. Il atteste des efforts continus de notre collectivité pour la prise en compte de l'égalité femmes-hommes. Et en 2022, et pour la première fois, le contrat de plan État-région francilien intègre un volet dédié à l'égalité femmes-hommes, afin de renforcer les efforts conjoints entre la préfecture de région et notre région de ce domaine. Enfin, sont régulièrement organisées des conférences de sensibilisation et des temps d'échange autour de l'égalité professionnelle avec l'ensemble des salariés de notre région, comme celle qui doit d'ailleurs se tenir ce jour. Prévenir, anticiper et former les professionnels sont des priorités qui irriguent nos politiques managériales. Et comme dans toutes nos politiques d'égalité femmes-hommes, la prévention et la sensibilisation sont les deux clés à la régie de la lutte contre les inégalités. La réussite demain de la mise en place du télétravail ne peut se faire sans une campagne efficace de prévention et de sensibilisation avant tout. Cette délégation à l'égalité femmes-hommes, c'est une grande responsabilité que m'a confiée la présidente de région Île-de-France envers l'ensemble des franciliennes que nous devons honorer. Par un soutien apporté au quotidien aux associations, nous devons dénoncer et défendre à leur côté la lutte contre les inégalités. Et je le dis aujourd'hui à Julie Heptig, la cofondatrice de Maïdé, ou encore à Martina Grun pour son association Dirigeante 77, comme je le dis tous les jours aux associations, vous pouvez compter sur nous, nous sommes à vos côtés pour faire avancer toutes ces questions. Et en plus de ces nouvelles perspectives, je terminerai en réaffirmant celles qui sont déjà en cours. Je pense à l'appui apporté au Centre Hubertine Auclair, ainsi qu'à la reconduite des dispositifs pour l'année 2022 d'action d'accompagnement et de promotion de l'égalité femmes-hommes via un fonds social européen. Nous avons soutenu pour l'année 2021 plus de 16 projets associatifs œuvrant en faveur de la lutte contre les discriminations, et parmi eux, 8 portés exclusivement sur l'égalité femmes-hommes. Alors 8, c'est sûrement pas assez, on a pour objectif d'en faire bien plus demain, mais c'est déjà
c'est déjà pour une compétence qui n'est peut-être pas la nôtre à la base, un réel engagement et en tout cas c'est un soutien qu'on apporte au quotidien auprès de ces associations. Alors à vous tous qui avez contribué à de vifs échanges durant cet après-midi, merci pour votre implication. Nous avons à cœur de vous recevoir dans notre institution pour améliorer ensemble les conditions des femmes à l'invitation du Centre Bertine-Auclair. En tout cas, cette maison est la vôtre et vous y serez toujours les bienvenus. Merci.